Pas d'historique aujourd'hui. Bon, je vais vous mettre le son des autres. Taisez-vous! Ah, moi je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé. Non, c'est pas assez. Vraiment? Bah attends, j'ai essayé pour là. Faut faire ça. Le problème de version? Non, mais faut faire regarder dans le chat général en fait, parce que sinon. Perso, moi ça le fait automatiquement, je dis ça, je dis. Moi, je viens de l'installer, y a pas eu de problème. En tout cas, jusqu'à Ouais, parce maintenant. que vous venez de là. Moi, c'est Ah. parce que ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, je sais pas. On va voir. Non, je Moi, c'est pense pareil, que moi j'ai installé, aucun problème. je pense c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai, du coup, tu sais, ils ont peut-être fait l'image et ça s'est pas fait, quoi. Après, le Genèse 10. problème. Oui. Pourquoi y a des abrutis sur Il faut vous. l'Italie et l'Allemagne? Allez les voir parce que. C'est pareil, Adrouk, si tu veux reprendre, si tu veux maintenir sur la même, va les voir en dessous. À L'homme moins dont la que ça te police. dérange pas d'aller sur un autre pays. Il est où? De quoi? Apparemment, tu lui as dit qu'il devait aller sur l'Italie. Non, j'ai dit qu'il pouvait prendre l'Italie et l'Allemagne si les deux joueurs qui étaient dessus étaient d'accord. Ah bah moi je suis pas d'accord. Bah tu Ah, vois avec le eux. il se casse. Après, si ça te dérange pas de jouer d'autres C'est quoi pays. comme version? 6B54. Ah c'est bon. Ouais c'était bien ça, c'était juste que le mode s'était pas mis automatiquement à jour. Alors, salut à tous. Alors attendez, je prends mes retours. Putain ils sont chiants hein. Salut HK, salut Torito, bonsoir à vous. Hop, 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 tout ça. J'aimerais Non mais bien avoir un son là, Adrouk, si mais tu pas joues de voix. l'allemand de toute façon, donc c'est là. Ouais, pourquoi? Ouais, bah ça, il disait on va avoir un bot allemand s'il n'y a Non mais pas attends, Adrouk. Adrouk. Non, moi j'étais pour rigoler, gros. Bah du coup, les gars, on fait quoi, plus RSS? Oh, il faut pas savoir, s'il vous plaît! Ah bah si vous voulez quoi, pure SS, tu peux partir sur les USA et puis. Oh, ça me va, Voilà, moi. comme ça il y a une quoi pure SS. Je serai plus tranquille, moi, dans mon coin, comme ça. Et putain, la France, elle est là, bordel de merde. Non, mais toi, tu restes. Mais y a pas de Siam, il y aura pas de Siam, en fait. Tu Pas besoin représentes ton de... pays. Ouais, le Siam part plutôt sur un Non, mineur allié, du coup. Jap peut l'annexer, donc. Non, je peux l'annexer, je peux l'annexer. Alors, on se calme, tout le monde. S'il veut jouer le Siam et que tous les autres pays sont pris, il peut jouer le Siam. Pour l'instant, on n'a pas Et ça serait bien de. pour une Australie aussi déjà. Ouais, ça serait déjà bien que les alliés, les commonwealth des alliés seraient remplis quoi. Adrox? Non mais le Japon, il a quand même besoin Adrox? de. Ouais. Il a besoin Viens dans l'axe. Regarde-moi, c'est Tanner qui partit en camp patron sur Non, l'URSS. non mais Pas t'es sur quel payé, on pays peut je vais pas. aller, mais. Non, non, C'est bon. 3 non. Regarde-moi ces cancers là. Mais les gars, ça manque un peu de joueurs. On peut jouer monte sur Allez, allez. Ils en Je ont veux au pas moins plus envie. 6-7 quoi. Allez, 10 joueurs russes contre un joueur allemand. Allez, on est chaud. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer avec eux là. Salut Rebet, salut Hugo, Franchement. salut Vince, comment allez-vous? Honnêtement, je Retire pense tout de l'Italie l'Italie on fait une avec com Tanner. surtout. Le Japon, il a quand même besoin d'un allié en Asie. Il a besoin Oui, d'un allié aussi mais là. les alliés sont dans une Australie, c'est encore pire. Pourquoi? Pourquoi ils ont besoin d'une Australie? Qui prend la France? Mais c'est Qui a besoin moi! d'une Australie? C'est Hitler qui prend la France. Ok. Tanner, rends-moi l'Angleterre. Oui, je te laisse l'Angleterre. Je peux Quoi? aller en. T'as quoi comme pays, Ben? Je sais pas quel pays je prends là-bas. Mais Tanner, prends la Hongrie, y'a pas de Non, prends problème. l'Australie. Hein. Non. Ah non, y'a Foxo dessus, d'accord. Non, je suis pas en. Bah non, mais Sinon, avant t'es de sûr. Tu veux commencer à pas qu'on bouger les mecs échange? dessus, il Tu veux faut prendre mettre la sa sauce. France? Bah, Si ok, tu veux. je prends la France, go. Ah, j'en Je prends prends la France parce rien. que ouais, j'ai jamais joué donc mieux vaut que je Ah, joue une si, go. nation Je secondaire. vais prendre le Brésil, moi, sinon. Ah, il faut un Australien. Je vais Bah, du coup, prendre la France. on a plus de Français, du coup, hein. Mais non, Ben a pris la France. Ah, Je crois que ok. Brésil c'est mieux qu'Australie, hein, dans le mode. Hein. Après, il me semble Non, t'as que. déjà joué la Ah France, non, mais hein. après, Ouais, il faut j'ai déjà quelqu'un qui a joué, joué, moi. c'est tout. C'est bon, ben c'est bon, on a une Australie là, c'est bon. Ah, il manque qui? Spectre, Bah là, il est y a mort. pas Hein. de. C'est bon, Bah, c'est si, c'est Spectre qui se met dessus. C'est bon, tout le monde est là du coup? Ouais. L'impression. Alors attendez, je vous passe sur la Mais y'a chouille. pas d'Italie. Ah, ils sont pas d'Italie. Je me suis senti très. Ouais, Bah, c'est ça un me dérange peu. pas qu'il y ait un bulgare.
Au pire, ah, je peux prendre l'Espagne au pire. Ah, il y a pour ça qu'il n'y a pas de Finlande, c'est pas ça. Dégage, ça passe, c'est pas long. Non, c'est l'Espagne. Je peux jouer l'Espagne. Ah, le truc, c'est que si tu. Non, non. Prends le. Je prends l'Axe. Je prends l'Axe. D'accord. Non, mais c'est de la merde, l'Espagne. Non, non, prends le Brésil, prends le Brésil. C'est bien, comme ça. Prends le Brésil. La carte civile. Ouais, comme ça, tu peux prendre Gibraltar. Mais je vais pas rentrer en guerre, je vais juste envoyer des. Non, non, c'est volontaire au hein, l'Espagne. Ça va bon, il y aura pas de limitation pour les volontaires par contre pour l'Espagne. C'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Enfin, t'évites de spam le tank en volontaire, mais oh, après. De toute façon, il pas minimum fair play. Tador, il joue l'Italie, mais il fait pas de fighter. Et comment on joue l'Afrique du Sud? Tador, il joue l'Allemagne. Tu verras avec les joueurs des alliés, ils vont t'aider. En gros, les Special Forces sont activés. Enfin, tu peux faire tant de Special Forces que tu veux. Je rush le Fighter 1, le Fighter 2. Dès que je peux. Ouais, mais je vais le rush aussi. Donc ça veut dire que je vais prendre la licence. Ouais, tu prends la licence pour pouvoir le faire plus vite. Ouais, t'inquiète. C'est pour ça. Tu fais quoi toi, Genesis? Bah moi, d'abord je vais rush le fighter, après je pensais faire une armée classique pour l'URSS. Oui, non mais quoi comme... Du 20. Du 20 avec du 40 pour... En fait, du 20 pour pouvoir tenir le front et du 40 pour pouvoir attaquer à certains endroits. Après, je peux faire du tank aussi, mais ça va... mes lignes de prod vont pas suivre. Tant que c'est une connerie, ce que tu pourrais faire aussi, ce que je te recommande, c'est essayer de faire quelques marines pour... Des marines, ok, pas de problème. Pour peut-être, un, m'aider en Afrique, et deux, envahir tout ce qui est Crimée, etc. Bon, moi, je pense que je vais rester sur de l'aviation, peut-être un peu de 20. Ouais, je fais une armée de 20 et des marines. Ouais. Bah, les marines, c'est ce que tu fais en 40. Oui, dans le mode, y'a pas de restriction du coup, en faire tant que. Y'a pas de restriction de Maritz. Non, non, c'est toi qui décide. Ah bon? Même les montagnards. Hein. Attends, t'es sûr de ça? Enfin, c'est le host qui décide, je crois, il me semble. Ouais. Ah, ok. Attends, j'ai rien sur les forces spéciales, moi, dans les trucs de destination là. Je sais plus, ils l'ont peut-être enlevé là. Parce que j'ai les trucs pour les modern tanks, les subs, les fighters, mais j'ai pas les. Avant ah bon, tant pis. Il y a carrément plus de Luxembourg. Non, je crois que c'est la Belgique. Regarde l'Amérique du Sud, etc. Ouais, ah, c'est mieux un Siam ou un Manchukuo? Non, c'est mieux un Manchukuo. Le Manchukuo, j'ai mis l'arme de focus du modé, donc vaut mieux qu'il passe sur le. Fait mon contrôleur aérien au pire, ok. Ouais, alors ce que je te recommande. Il peut faire des Marines aussi, hein. Non, pas sur ce mode. Ah, pas sur ce mode, ok. Non, alors il est là le japonais? Oui, c'est moi. Ouais, je te recommanderais de faire le manche. Bah, du coup, tout le monde est là, c'est bon, on lance. Tu donnes les provinces de ressources. Si, tu lui donnes les provinces de ressources. Il s'est mis sur le manchu là, avant que tu lances. Ah merde! Non, je me suis pas mis sur le manchu, t'as go direct. Ah, mais. Paris revient, j'ai mis le join. Fais des synthétiques. Faut que ça, tu veux faire contrôler rien ou pas? Il suffit de revenir quoi. Ah bah la Hongrie ce serait mieux non? Bah si ça peut t'aider ouais. Non c'est comme tu veux, je te laisse choisir. Si tu veux je compte. Mais lui au dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais je. Ah bah attends on est dans le lobby, reviens. Oui bah écoute faut que je relance mon jeu. Bah j'ai jamais vu votre le rien mais sinon c'est bon je fais. Adrox Allemagne quoi mon dieu. C'est rigolo, j'ai jamais joué au mode. Bah après ça va, c'est pas très difficile le contrôleur. Me contrôler rien, bah tu tombes des avions. C'est juste faut que tu fasses la bonne doctrine déjà. Surtout ouais. Ça. C'est trop tard, faut que tu fasses la doctrine. Non, c'est bon. T'inquiète, moi je suis. Ah ouais, moi bon, je connais très bien le mode. Donc, Adrox. Oui, bah je le connais tout, je pense. Adrox, je vais te laisser Bilbao, non, d'accord. Ah, tu joues à Espagne? Farm l'Urban Assault avec. Je suis membre. Tu veux pas lui laisser aussi Barcelone? Oui, mais Barcelone sera. Non mais ce que je veux dire c'est que tu fais de la rivière de Barcelone jusqu'à la rivière de Portugal, c'est de la nouvelle méta. Si ça permet à l'allemand d'avoir Ranger côté de Barcelone. Ouais il peut faire Ranger, il peut faire... Je peux laisser le casque de forêt à l'espagnol aussi. Ah oui j'ai oublié qu'il y a ça. Le Cafri est super. Nouvelle méta aussi, je sais pas si tu connais, ça pour arriver de... Ouais mais le problème c'est que tu pourrais avoir le russe qui pourrait empêcher de farm. Mais le attends, le Canadien il a un micro ou quoi? Ok, on va se mettre dans la rivière. C'est leur problème. Bon bah ça charge, hein, écoutez.
Il faut que ceux qui aient pas de la co aussi. De d'or. Oui, bah écoute, hein. Il y a un admin. Qui a. Hein? On les attend. On va attendre. C'est qui sur l'anglais? Oui, probablement faire full sub. C'est Gefko sur l'anglais. GPO solo, on est en GPO, Rabat. Présenter la faction, les pays avec les pays dedans. Les factions sont historiques, donc les pays sont historiques. On a la faction Axe avec Allemagne. Ah, je peux pas vous montrer, mais vous avez là. Je crois qu'on a une Bulgarie aussi, voilà. Allemagne, Italie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie dans l'Axe. Sphère de copro, c'est Japon, Manchukuo. Alliés, on a France, Angleterre, USA, Canada. On a le Brésil, l'Espagne dans l'Axe. Ça lui demande pas de convoi. Plus le Commonwealth. Tu donnes les territoires. Et après, on a le Comitain oui, avec oui, l'URSS. Oui. Tu donnes le Guangxi et le Shandong. Ok. On attend juste qu'ils reviennent du coup et on pourra lancer. Il y a plus d'endroits là. Mais là ils ont on se crache. Ça ils ont planté ou ouais ils ont eu la connexion. J'ai pas pu rejoindre le truc alors que j'avais le mode. Ah bon? Attends je vais désactiver et réactiver le join. Terminé, ok. Vas-y, réessaye là. Vous avez toujours la bonne version. Bah, il était connecté juste avant. En général. Bon, bah, on attend, hein. Rien mis. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a le comme quoi il a mis un truc, mais je vois pas. Wesh alors? Allez, on y est presque là, c'est bon. Allez, charge putain de jeu de merde. Bon, on attend le. Ah, ça va être long. Ça va être long, je le sens. Salut ST. Salut Vador. Non, je peux pas jouer Domination des Balkans. Et puis c'est un peu de la merde, Domination des Balkans. Allô. Ouais, j'essaie de rejoindre, j'arrive pas. Vous avez toujours la bonne version, 6B54? Ouais. Ouais, 6B54. Ah. Non, j'arrive pas à me connecter. Oh putain. J'ai échec connexion aussi. Ah bon. What? Essaye de lancer. Ouais, je sais pas, essaye de lancer qui était de rejoin. Ouais, peut-être. Pourquoi l'Australie est parti? Mais j'ai relancé mon jeu, mais. D'accord. Qui est le rage? Ouais, il répond pas. Attends, je suis obligé de lancer pour pouvoir le kick. Qui Ouais, t'as activé le join alors. Ouais, normalement il y a le join hein. Le rage, c'est ça? Ouais. Et bah, il rushera plus. Oh. What a petit. Super blague, on apprécie tous. Génial, merci. Bon, let's go là, venir, normalement vous pouvez hein. On est sur un Reos lobby. Ah. Du coup Manchukuo on est bien d'accord. Allez, non, attends, c'est ça. Je vais juste vider le cache mon jeu là. Attends, on va te mettre prêt. C'est moi qui ai pas vidé. Mais du coup on joue sans Australie. Parce que l'Australie c'est vraiment important. Bah écoute, je sais pas. Oui. Par rapport à la Bulgarie par exemple, oui. Aïe aïe aïe, ça parle mal. Ouais. Ah mais attends, non, Zephyr va sur. Ok, Zephyr va aller sur l'Australie, je pense du coup. Bah je sais pas, Ils font comme ils veulent, écoute. Je sais pas, Zephyr est revenu? Ah oui, il est revenu.
Mais je sais pas, il était pas en vocal, il parlait pas, donc ils m'ont demandé de le dégager, mais après... Là, ils sont deux sur l'orage, quoi. Non, mais... Oh là là, ils forcent. Mais non. Encore deux personnes aux États-Unis, ça aurait été OK, tu vois. Mais là... Ah, il se fait dégager de son pays. Triste. La Hongrie est là. J'ai même pas fait attention. Non ? Non. Ok, on lance pas de façon. Moi qui voulais prendre l'Empire Perse. Foxou, t'es là ? Foxou. Nice. Il est pas là ? Oui, les Pays-Bas ils sont unis parce qu'on est sur un mode qui dégage... qui dégage une grosse partie des choses, donc il y a plein de pays inutiles qui dégagent, qui disparaissent, là, là, oui, parce que, et putain, non, plein de pays qui sont unis pour diminuer le lag, en fait. Okay. Salut Fab Baron Rouge. Putain, mais qui veut jouer l'Australie, pire nation ever. Non, c'est cool. C'est horrible comme nation. Ouais, c'est pour éviter le lag. En gros, Arabie, Tibet, Mongolie dégagent, l'Amérique du Sud et Centrale dégagent aussi. Il y a plein de pays qui sont fait annexer, Luxembourg a disparu par exemple. La Suède ne peut pas avoir de manpower, pareil pour l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie, ils n'ont pas de manpower, ils sont à zéro. Il me semble que Belgique, Néerlandes c'est pareil, pas de division. Portugal aussi je crois, dans le genre. Ok. Mais du coup, bah du coup je t'enverrai les avions là. Ouais. Je garde mon du coup. Faut en finir armée. Merci Santo pour le follow. C'est bon, tout le monde est revenu. Ouais ouais. Ouais c'est. Ouais. Allez, on part en one div direct. Ah du coup, ok, comme ça. Hop. Putain, mais c'est quoi le focus du monde Choco? Je te refais Ah, je t'ai mis celui qui est modé, hein, donc celui qui a été créé pour le mod. Est-ce que je rush l'avion, enfin le Fighter 2 avec l'Hongrie? Avec l'Hongrie, non. Tu vas prendre les licences de l'allemand. Enfin, tu vas récupérer le. Toi, tu fais les casses, je crois, non? Non, tu fais que du casse. Ah, ouais, que du casse. L'avion descend dans Copro, je me souviens. Alors, nous, on va rusher l'avion. Donc, il faut qu'on ait l'IR-80, donc on va prendre ça direct. Parce que je commence direct à refaire les techs ou d'abord je fais tout à gauche. Là. Parce que du coup, avec ce mode là, je comprends rien. Alors, attends. Tu fais quoi? Tu fais le casse toi? En vrai, pour la Hongrie, je sais pas ce qui est plus intéressant. Parce que je crois que tu peux avoir le. Direct aller chercher le casse. Tu peux avoir le casse assez vite, je crois. Mais t'as vu toutes les focus qu'il faut que tu fasses si tu veux le casse? 4. Parce que pour pouvoir faire Indigenous Design, il faut que t'aies fait Boost Hungarian Aviation. Donc il faut que tu fasses l'industrie en même temps. Ça? En gros, pour pouvoir faire ton truc de casse, il faut que t'aies fait le focus Indigenous Design. D'accord. Mais pour faire ce focus là, il te faut aussi le focus industriel qui est juste en haut à gauche. Ouais. Ok. Ouais, bah on va faire ça en premier alors sinon ça prend. Ouais, quoi qu'il faut quand même que j'enlève le truc pour avoir plus de manpower. Plus quand même. On est d'accord qu'on me prend pas les territoires, que le Hongrois va pas me prendre les territoires. Bah, moi ça me sert à rien l'endroit. Donc je peux construire dessus quoi après. Je fais pas l'armée. Foxo, tu mets toutes tes usines sur le casse. Hein. Ouais. Je te conseille d'aller le prendre quand même, hein. T'as besoin de manpower contre les avions. Ouais, bah je vais quand même faire ça en premier, comme ça j'ai le manpower. On va faire la construction speed. Les usines militaires qu'on a, on va dégager ça. Santo, t'es là? Ouais. Je dois rusher en innovation ou pas avec sur ce mode? C'est préférable. Ok. Le truc, niveau doctrine aérienne, c'est quoi la meilleure? Celle de droite. La dernière. Celle qui est tout à droite. Pour les fighters, c'est ouais. Celle de droite. Alors c'est parti. Tu vois, tu vas pas chercher Army Innovations 2, d'accord? Donc tu vas rester sur Tretia avec l'URSS, ensuite tu vas aller chercher ton Captain of Industry. Attends. Et tu rushes le Tigre. T'as dit quoi? Je fais Tretia avec l'URSS, on est d'accord? Ouais, tu t'arrêtes au traité avec l'URSS, tu vas chercher ton Captain of Sinus. Et avec tes 2% sur tes 200% sur l'armement technologie, tu vas rusher le Sima, ça. Et tu passes en industrie de 10%.
En dispersé, je passe. Oui, en dispersé. Roumanie moustachu, là. On est sur Roumanie moustachu. Enfin, pas moustachu, mais qui va avec moustachu. Avec moustachu man. Après, si t'as pas envie de jouer comme ça, parce que t'as pas confiance, je joue pas comme ça. Mais... Bah, je sais pas si tu passes. Bah, regarde, t'as 200% sur l'armure technologique, tu vas passer au tigre tout de suite. Donc, Ah, tu pars sur des chars lourds ? Non, je suis en moyen. Ah, bah, dans ce cas-là, je sais pas alors. Ah la vache, ça fait tellement de temps que j'ai pas joué moi. Moi, je te conseille de faire du chars lourds. Parce que tu peux avoir le tigre très très. Alors du coup on va les appeler c'est au choix mais sur ce mode duplicate on va les appeler training train rom. Tu peux lancer ou pas? Moi je suis prêt. Je vais aller voir s'ils sont prêts les autres. Donc mettre une... Vous êtes prêts messieurs? Oui. Ouais. Vous êtes prêts? Oui on est prêts. Oui je suis prêt. Ok. Ouais. Ok, on est parti. Je focus sur les cibles pour après construire. Je construirai aussi évidemment des aéroports. Donc là, pourquoi je fais ça? Pour qu'on puisse m'apporter. Oh putain, déjà. Oh, je sais plus quel malus il faut que je prenne avec. Avec le. Comment dire? Avec la Roumanie. Ah, Drox, tu peux me try back une usine. Avec la Roumanie, le malus que je dois prendre, c'est les 20% ou le malus de PP? Moi, je garde 20%, moi, je dirais. 20%? Je prends les malus de... Ouais. Ah, ça pique. Ah non, j'ai perdu une usine en construction, ça va, en vrai, c'est pas énorme. Donc là, on fait de l'XP. L'Allemagne a déjà 52 de caoutchouc. Ouais, parce que t'as le caoutchouc du CM. Ah, ok, d'accord. Sérieux? Ah ouais putain. Ah oui putain. D'accord. Ça se fait. Parce que c'est pour optimiser pour le fait que le Manchu perd pas de consumer good quand il fait du trade back. Ah. Pour les volontaires, y a pas une limite de division non? Si, 3, pourquoi? Non mais genre mec, il y a 7 divisions, je peux tous les envoyer en Espagne si tu veux. Ah ouais non mais c'est 3, oui, limite 3 et les soviétiques ont droit à 6, je vais leur le dire d'ailleurs. Attends non, quoi? Comment ça 3 limite de soviétiques? Attends quoi? En gros, en Espagne, l'Italie peut envoyer 3, l'Allemagne peut envoyer 3, le Japon peut envoyer 3, et du coup le Soviet peut envoyer 6. Mais c'est OP pour le Soviet. Bah attends, il va faire du 9v3. Écoutez-moi, alors d'une part, le Soviet peut envoyer 5 volontaires maximum en Espagne républicaine. Ouais, donc... 6, c'est mort. Et ensuite, j'ai une question pour les volontaires qu'on peut envoyer en... Infanterie only. Non, t'envoies pas de volontaires en Chine. Non. Ah non, en Chine, pas de volontaires. Hein. Non, c'est OP. C'est OP, volontaires en Chine. Non, en Chine, pas de volontaires, comme il n'y aura pas de volontaires du côté japonais. Si j'en envoie, en truc, il pourra l'envoyer. Quoi? Non, mais il pourra pas envoyer de volontaires en Chine. Il est communiste de base, en plus. Donc, je crois que c'est bloqué au niveau des... Ouais, mais moi je peux l'envoyer en Espagne, moi. Oui, mais lui aussi peut l'envoyer en Espagne, c'est pas le problème. Oui, du coup c'est bon. Okay. De toute façon, il y aura pas de volontaires étrangers dans la guerre sino-japonaise. Donc, comme ça, non, c'est pas ma question. Je voulais savoir si moi je pouvais en envoyer en Espagne. C'est la question. Oui, 3. C'est pour ça que j'autorise les soviétiques à en envoyer le maximum qu'ils peuvent. Enfin, au 6 maximum à l'Espagne républicaine. Ouais, bah ils peuvent pas en envoyer 6, mais bon, c'est pas grave. Ouais, 5, c'est toujours ça. 4. Putain les bâtards, on peut pas exploit quoi. Pourquoi? Tu veux exploit quoi? Parce que je vais faire un truc avec l'Espagne. Putain, ils ont niqué tous les exploits que tu peux faire ces bâtards. Bah oui, c'est le principe. C'est le principe d'un truc multi. Je peux rien faire. Comment ça coûte? Ça coûte toujours ça. Là on voit le début du cancer. Oh, je peux pas faire d'exploit. Salut Carta! On s'amuse hein, quand on fait rien au début de la game. Oui, je suis en multi. Je suis avec toi. Yet. C'est l'Hippocrate. Peut-être t'as moins d'usine civile qui est sur le mode. Ouais, le... Je vais garder le finalement. T'as perdu le lot. Merci Drix pour le Prime. Merci à toi. Et salut au passage. Comment ça va?
Problème de voiture, parce que j'ai compris. Aïe aïe aïe, le Hongrois qui a 200 heures de retard. Aïe aïe aïe. Attends, ah d'accord, oui, parce que mon jeu, effectivement, on n'avance plus de 7 et tout. C'est pas le mec qui est à Moscou? Du coup, allez pour Barcelone tout de suite. Non, c'est pas le mec qui est à Moscou, non. Non, il est en Suisse, lui. Non, ça, c'est mes talents. Je sais, il est en Suisse. C'est mes talents. Le Hongrois, il est en Suisse, c'est un Suisse. Ah, mais je croyais qu'il était à Moscou parce qu'il disait. Pas moi que c'est à Moscou, c'est un autre. Il y en a un cybercafé à Moscou. Attends, Santo, t'es là, une question? Ouais, ouais. Le Manchu, ça vaut le coup qu'il fasse le truc pour les résistances en Chine ou pas? T'as pas mis de la façon. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Tu fais ça, c'est toi qui devrais. C'est toi s'il le fait, mais pendant la guerre de Chine. Pas pour le moment. Ouais, oui, c'était pendant la guerre de Chine, je parlais. Oui, non, mais c'est plutôt toi qui devrais le faire parce qu'il a pas d'armes, mais okay. Oui, ça vaut le coup parce que du coup, t'as pas de résistance. Ok, ouais. Transité au max. Tac, tac, tac. Aïe 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 aïe. C'est le mode. C'est ouais. Aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Super. Ah, je demanderai à ma soeur d'envoyer des détails pour voir. Ça, je crois que mon père t'a déjà aidé en plus donc. Oui. Oui. Si tu connais le problème. C'est parce que je suis un peu scoop. Le NMS Delphinul. Suède. Comment on appelle la division, tiens? On va appeler la division. Donnez-moi un nom pour la div là. C'est un talent mentaliste. Il y a même plus de la Mongolie. Donnez-moi un. C'est qui le mieux pour les chars? Guderian, Manstein. Manstein, je crois. Non, il faut pas que tu tapes Manstein. C'est pas Guderian, je crois. Parce qu'après, t'as Guderian qui est très bon, mais Manstein, comme il a un Fortress Buster, ça peut être utile pour Maginot. Non, je parlais. Ah, tu parlais pas de théoriciens? Ah non, ok, pas opérationnalité rétimée. Les théoriciens. Après, en soi, passer Maginot, tu t'en fous, mais c'est ça. C'est. Ouais, je sais pas si ils vont faire des forts. Bon, je vais prendre celui qui a le. Non, aussi, des forts, ça. Je vais prendre le Fortress Buster quand même. Enfin, celui qui a le Fortress Buster. Non. Ah, tu peux te. Allez, c'est parti, je change sur la Tchécoslovaquie, c'est parti. Après, tu veux le monter pour tes chars? Mais tu vas le monter ouais. Comment? Bah tu vas le monter après pendant la guerre quoi. Ouais mais non mais rien que pendant pire, la guerre. T'as comment il s'appelle? T'as un mec qui s'appelle, je m'en rappelle plus, je crois que c'est Paul. Putain j'ai oublié son nom. Merde. Ah je vois qui tu parles. Celui avec le truc hivernal là. Je sais pas, je crois que t'as un mec pour les chars aussi, mais je suis pas sûr. Tu dis pas Lozar? Il est moins. Moi, plus... Ah mais zut du tout, mec. C'est un... Je crois qu'il est. Il est... Les cheveux blancs, mais bon. Orstory. Cole, je vais y arriver à l'écrire. Tu parles du Ernst Elbert L, qui a Winter Specialist. Je sais pas du tout, mec. Non, c'est un mec. Je crois qu'il y a un mec qui a le trait pour les chars. On peut essayer de manier un truc comme ça. Infanterie vampirique. Que pensez-vous du titre en fait, influenceur. Attends, oh là là, mon dieu. Salut Simon. Influenceur. H-A-U, un truc comme ça. Quasi sûr ça. Ok Drix, bonne soirée. Ah, on peut même pas faire son template. Ah bah va falloir apprendre à faire comment vanille. Hein. Comment vanille. Faut pas faire de template. Non, tu traînes tes divisions. Traînes okay, tes 6 okay. Divisions. Vous pouvez faire un clic droit sur le pays. En parler. Ah oui, non, t'as pas, oui, d'accord, je pensais que c'était l'allemand qui parlait. Ouais. Vous pensez vraiment? Putain. Oui, mais on s'en fout, t'as intérêt à l'Espagne. Toi, tu vas subir et prendre les divs de merde qu'on te donne déjà. De toute façon, regarde ton malus que t'as dans ton Astro Spirit. Ah oui, du coup. Non, mais ce que je dis, c'est ah bah. La Divisia Vampire. Du coup, on va mettre Divisia. C'est quoi les Valmela avec l'allemand Vampire. Ouais. Tu peux me filer une usine, stop. Alors. Peut-être dit, je fais quoi maintenant l'espagnol, il tient jusqu'à Barcelone. Vampire. Ouais, on va voir ce qu'on peut mettre des trucs. Oh, les dents là. Tu passes en free trade ou pas? Tu passes en free trade toi? Moi, oui. Ouais, bah je passe en free trade. Ouais, je passe en free trade. Ok. Qu'est-ce que je fais des bandits qui sont dans ma région? Tu t'envoies des guns et. Tu les butes. Ils sont enfilés. Et ils sont enlevés. Ok.
je suis à 8. Alors, du coup, nous, on va pas prendre les bonus sur l'aviation parce qu'on va pas en produire. Ouais. Donc, on va plus chercher à avoir. Ouais, je crois que c'est ça. On en a pas sur le. Moi, je peux te transférer toute ma Navy à toi. Ouais, mais t'as pas le droit. Comme ça. Genesis, la banne. De quoi Mettre la Navy italienne. Ah oui, non. Navy italienne, la Navy italienne, c'est seulement s'il contrôle les détroits, elle peut bouger. En gros, s'il prend Suez, elle peut bouger, hein. Mais il faut qu'il prenne Suez. Non, mais je dis, est-ce que moi, je peux filer ma Navy à l'italien? Ah non, 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 t'as pas le droit. C'est pas ultra attends, bêté, j'ai ça. Pas le droit. C'est un... Écoute-moi, j'ai pas le droit. En gros, si, si, tes subs peuvent passer, donc y a pas de problème. Mais t'as Navy de surface pour pouvoir passer un, pour pouvoir, si tu veux envoyer ta Navy de surface en Angleterre, il faut que tu contrôles un des deux détroits. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, y'a pas de limite. Non, mais non, mais ça c'est OP. Non, en voisin que 10 000. Mais une limite de 10 000 parce que sinon c'est OP. Bah non, tu peux détruire les convois, tu t'en fous. Mais non, tu peux pas détruire les convois, y'a un lien. Bro, la Chine c'est une IA, tu t'en fous de ce qu'on peut lui envoyer ou pas au final. Mais oui, mais elle a 50 usines, qu'est-ce que tu veux faire? Bah le Japon va juste l'éclater en fait. C'est une IA, mec. C'est une IA, il va l'éclater, hein. En plus, il a pas son malus. Le Japon a pas son malus quand il déclare la guerre là. Il l'a enlevé, hein, parce que la Chine est unifiée. Oui. Ils ont enlevé le debuff. Non, non, mais limite, mais limite. Mais non, t'en fous, ça va faire tout ça qu'ils ont moins, de moins. 33 en PLS. Putain, mais... Je vais mettre une limite à 20 000, si vous voulez. Voilà, 20 000 guns, allez, voilà, c'est bon. Bonsoir, retardataire au rapport. Alors, retardataire. Oui, je suis le retardataire. Bon, t'as des pays libres encore de toute façon, donc on a pas trop... On est en mai, donc t'as le temps de récupérer ce que fait. C'est qui quand même en retard? C'est Django. Donc Mexique, Brésil, Norvège, Siam, voilà. Très bien. Irlande. Transaïterbe. Après, c'est au niveau de... Salut Vivil. Vivili, pardon. Salut, tu peux faire un résumé? Bah résumé, on est en historique. Et tous les pays... Oui, quoi? Axe. Axe. En vrai, comme tu veux, hein. Tu choisis le pays qui te tente le plus. En vrai, ça va, on est plutôt équilibré. Axe. Ouais, sur le Brésil. Bah Axe, c'est le seul pays qui a de l'Axe, c'est le Siam. Hein. Après, t'as... Brésil, ouais, le Brésil, c'est pas mal. Ouais. En vrai, le Brésil, il peut être pas mal. Donc, Ouais, je vais aller sur le Brésil. Brésil, c'est quel côté déjà de... C'est les alliés. C'est alliés, le Brésil. Alors, résumé, on est en historique, on est 18 joueurs du coup, tu vois toute la liste là. 17 pays joués parce qu'il y a une coop sur l'URSS, et on est en historique au niveau des dates et de l'attaque et tout ça. Au revoir. On t'aime pas de toute façon, donc ça. Goodbye. On t'a jamais aimé, fils de tous tes morts. Non. Alors, ça par contre. On dit pas ça. Mais... Moi, j'ai l'impression que la musique est ultra fou. Ça, c'est... Mais non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Tous mes bandits. Yeah. T'as détruit des bandits. Ouais. Littéralement. Ouais. Tu fais quoi? J'ai gagné 30 XP. Ouais. Ah, d'ailleurs, on va pouvoir améliorer notre... Ah oui. Excusez-moi. Allez, j'ai envie de faut dire oui. Faut qu'ils se mettent prêts, ouais. Allez. Oh, je vais le voir hein, s'il faut. Et là, il y a la crash. Où est ma paille? Where is ma paille? Ouais, la Syrie, ta paille. Let's go! Alors, attendez, je vais faire ça. Tu peux pas faire un tour en Espagne, vas-y. Tac. Bah, la guerre, on va la faire jusqu'en 38, hein, je pense. Ouais. Tu vas faire un petit trip, tu vas pas faire un petit trip en Espagne? Non, moi je pense. Enfin, un petit peu, non. Ok, Santo, tu vas faire un petit trip ou tu vas pas faire un petit trip? Un petit peu, ouais. Parce que si l'allemand le traverse pas, je pense que je vais finir. Ouais. Ouais, tu peux essayer, mais. Ça, je... Bah, après, enfin,
je m'emballe un peu les couilles parce que je pourrais quand même sortir mes charges. Bah mais toi derrière le fleuve. Ouais mais t'auras pas de très bonne divi, t'auras pas de très bonne très bon généraux et pas de beaucoup d'XP quoi, c'est le problème. Essaye d'avoir au moins pas mal d'XP. Ah, je me suis éclaté le petit doigt. Non, en fin de tour. Ah c'est Shadow. Non, moi je suis sur la Roumanie. Ah, ça pique. Je me suis éclaté le petit doigt de pied. Ça fait trop mal. Vous avez peut-être... Oui, quoi? Merde, je sais pas quoi prendre en premier. Captain? C'est dommage. J'ai peu d'usines militaires au début avec son mail. Ah, ça fait trop mal. C'est bien. Ouais, du coup, j'en ai 20 sur les chasseurs et puis voilà quoi. Ah, sa mère! Ouais, bah, c'est l'arme de base quoi. C'est l'arme bannière. Désolé. Ouais. Mais je me suis fait trop mal. On va pouvoir faire avec. On est pas pédé nous. T'as pas peu de division, Adrux? C'est le division que j'ai de base. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Pour les volontaires en fait. Mais non, t'en fous, tu peux balancer. Les envoyer comme ça. Ah non, non, en fait, non, je crois pas. Tu peux les envoyer volontaires, attends. Bah, vérifie avec l'Italie. Salut, Toupie. Non, mais il peut, je vous dis qu'il peut. Il va pouvoir envoyer ses volontaires comme ça. Oui, ouais, je crois pas qu'il y ait de demande. Enfin, qu'il y a pas de limite de division. Non, ouais, tu peux envoyer les 7 divisions que t'avais de base. Ah oui, effectivement, il y a pas de limite. De volontaires. Je peux pas envoyer des volontaires aériens, ça je fais un peu d'XP aérien. Non. Ah si tu peux, oui. Usine. Non, mon pays est pas autorisé. Ah ben c'est super. C'est triste. Ah, quels sont les pieds joués? Voilà. Allez. Allez, merci. What? Qui c'est qu'il y a une femme chez lui là? Natacha! Shut the fuck! C'est Adrux! J'ai entendu, c'est dans le tiroir là, après. Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Le secret du tiroir. C'est un objet pour se faire du bien qui vibre. Non. L'utilité de l'homme ne servira plus à rien. Faut pas le dire. Ça, c'est un secret. Combien encore? Les Marines. Voilà, mais faut pas que j'oublie. Rappelez-moi le à la prochaine technologie. Avec 6 usines, bon, c'est que dalle. Non, mais ça suffit. Parce que sinon, je vais oublier. J'ai pas fini. Même pas, ouais, mais d'ici 39, on aura 1000, tu vois. Ouais, c'est ça. Les 39, j'aurai plus d'usines. Enfin, j'ai qu'à plus de production. Moi, je t'enverrai tous mes chasseurs. En plus. Yes. Tu pourrais m'envoyer quelques usines au Japon Oui, 2 secondes. C'est pas du trade back, mais. Oui. Qu'y a-t-il? Tu peux me trade back 5 usines. 5 usines? C'est pour m'entraîner ma flotte. Tu sais que si je trade back 5 usines, j'ai plus d'usines pour construire. Je construire. Ouais, bah de base, t'avais pas de quoi construire, non? C'est ça le truc. Bah si, de base, j'avais 6 usines, mais j'ai les malus de 20% attends, là. Attends. T'as, je t'en prends déjà une au moins. Attends, une, je la rends. Attends, request. Attends. Ah merde, non, putain, je suis dans le mauvais onglet. Oh là là, fatigue. Qu'est-ce que je peux te prendre? Ah, bah attends, je vais peut-être te prendre de l'acier si t'as. Ouais, voilà, comme ça me sera utile. Je t'en prends 2. Ok, du coup, ça fait 4 en tout. Ou juste 2. Ah, je t'en ai pris que 2. Ok. Sinon, j'ai plus. Là, j'ai plus qu'une usine qui est construite et il faut que je fasse mon infra. Sinon, ça va être compliqué. T'as marchant qu'une fois j'ai oublié les méfaits au build, c'est rigolo. Allez, oublie pas, hein, ça serait con. Tu sais, t'as 6 usines, moi j'ai 2 usines là. Oh, on est sur du vanilla historique, donc tout ce qui est non historique. Merci Gabin pour le follow et bienvenue. Les Marines. Oui, les Marines. Les Marines. T'as du pétrole le Manchu? Bah oui. Attends, ouais, il peut arriver jusqu'à 64 de pétrole, un truc comme ça. Mais je peux pas trade, je prends pas d'usine. C'est pas grave. Ah bah de toute façon. Pause. Oh ouais. Ah du coup je t'arrête le trade back? Ouais c'est ça. Ok. Ah
Alors. La bagarre. Nah, je vais pas envoyer de volontaire. Rip XP Ryan. Envoie un attaché. Ouais, attaché, mais j'ai pas encore la pépé. Accepte ça. Ah, peut-être envoyer un attaché aussi, nous. Tu me dis quand c'est bon, Tanor. Alors, on en est où là? On est sur Air Superiority. On va faire l'IR 80. Une fois qu'on a ça, on part sur. Sur au moins ça, pour pouvoir faire ça dès qu'on a les 25% de tension. Et ça aussi en vrai. Pour les Army Chief et le slot. Alors, on va faire ça juste après. Et après, je pense qu'on partira sur le. C'est bon? C'est bon? Non, c'est pas bon pour la guerre. J'ai un temps d'attente. J'ai foutu ma bouteille au seul endroit où je peux pas, où je peux lire, mais... Je peux mettre un leader. Cette année, tu le sens bien? Ouais, ben moi aussi, je l'espère. Ok, moi je suis prêt. Alors, je suis prêt. C'est parti. 5, ouais, Russe, on va 5 déficients. Ah, il y en a 3, il y en a déjà 6 de l'axe et 5 du... Il envoie full... un peu de du carburant. 20 000 armes, on va, ok. Ah, moi, vu que je réussis pas mes armes, je peux t'envoyer 4800, mais je sais pas encore. Faut que je tourne ta chiste d'abord. Est-ce que je peux envoyer l'envie? Non. Allez. Ah non, Ah, mais c'est vrai que je suis non aligné aussi. Ah, oh, triste. Ouais, pareil. Ah, oh, j'avais oublié ce détail. C'est vraiment comme des débits. En fait. Ah, du coup, je vais envoyer une attachée. Une attachée. Une attachée. Bonjour. Non, bonjour. Poutini. Tu laisses Bilba en vie ou bien Tanor? Oui, oui. Et tu le laisses chaque fois de revenir avec des troupes? Oui, oui. N'oublie pas d'envoyer volontaire aérien. Ouais, bah ouais, tu peux envoyer volontaire aérien. Oh, bah, tu le vois dans le ciel. Faut que je m'achète une. Qu'on appelle ça? Une palette. Pour mettre du son. Pardon, excusez-moi. Ok, je lance le focus pour l'IR 80, donc j'aurai le bonus bientôt. En vrai, moi, ça fait tellement de temps à faire ça. En plus, il va falloir les focus pour devenir fasciste aussi. Théoriquement, s'ils le jouent bien, les Anglais devraient avoir le Fighter 2 avant nous. Hein, parce qu'ils ont le Canadien, le bonus avant nous. Ouais. Ah ouais, il... Ouais. Non, il l'a maintenant. Là. Fuck the Canadien. Non, non. Il a, en fait, le Canada, il l'a au deuxième focus, hein, son bonus sur le. Ah sur ouais, le... Okay, viens voir. Alors que moi, c'est sur le quatrième. Bah, normalement, il a déjà. Enfin, apparemment, il a déjà la recherche en cours. Ma division sans révèle. Sauf que c'est vraiment un gros cake. Ok, le français est parti sur le. Ah, il est pas allé jusqu'au char de bataille. Parce que là, on est au quatrième focus, donc ça veut dire qu'il a fait deux focus. Il était jusqu'à la levée de masse et après il est parti sur support de statu quo. Ouais. Moi j'aurais rush le V-Tank. Avec le français. Pour Charlot. Ouais, pour avoir le temps, le Charlot. Ça dépend la strat. Après ouais, ça dépend de ce qu'ils vont faire eux. Après si... Ouais, même si je joue en V-Tank. Merci Shadow, une Soundbird. Houdini. Ah maintenant j'ai dans la tête. Hein. C'est... Ça fait une semaine que j'ai dans la tête. La Russie est avec les alliés en fait, c'est une faction à part entière, mais au final elle est allée elle est avec les alliés. C'est une Comintern, mais c'est avec les alliés. Attaque sur la case à côté, ouais, si tu veux. Attends, je suis vite celle-là et puis. Ouais, il va essayer d'avoir le Ranger avec. Ouais, les Marines. Je t'enverrai des volontaires. Marines. Faut pas oublier. Marines. On n'oublie pas. Remember. Je vais essayer de prendre la case d'à côté. Tac, tac, tac. Il m'attaque sur la forêt. Jab, t'es où? Vous avez besoin d'aide? Non, parce que moi, j'ai rien de faire, moi. Oula, c'est dangereux. Ouais, oui, bah oui, j'ai besoin d'aide. C'est à toi de venir ici. Tu
viennes à l'est, hein, mais enfin pas par là, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Les tensions là. Toi t'es un mec, tu vis dans le risque, hein. Non, ça va, par contre c'est pas drôle, faut que tu viennes. Houdini! Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais, Zax là? Putain, Zax. Calme, wow. Zubi. Je sais pas si c'est. Oh, Zubi, Zax. Allez, j'aurais des attachés, ce petit. Espérons que ça marche. Je perds la case, hein. Allez, let's go pour moi aussi, attaché envoyé. Ah, la case. Et Italie, t'es en train de farmer. Ouais, ouais, juste sur ça, on va le... Attends qu'il les a pas acceptés. Bah, on peut pas voir les trucs, mais. J'ai des avions derrière moi. Tu verras. Ah, j'ai pas d'avion. Par contre, j'ai des bateaux. Et les bateaux, on va les entraîner. On a quoi? On a deux subs et. Tu fais quoi là? On va. Abandonne Bilbao, abandonne Bilbao, faut que tu viennes. Ok. T'as les troupes pour défendre des deux autres côtés. On traîne la Navy, comme ça on pourra faire des meilleurs templates. On va se faire push là. Zach, tu vas te faire push une div. Ah non, putain. Ah oui, on est direct dans une très bonne position là. Ah, oublie pas quand t'as envoyé des attachés, ça pourrait te donner quelques bonus. En vrai, par contre, tu prends des risques. Hein. Voilà, je me suis poché, super. Contre-attaque là. Zach, tiens cette case. Ah bon, ouais. arrête maintenant. Stop, on arrête. Je perds la case. Attaque. Attends que tu perds. Zach, t'as dû me laisser aller avant. Voilà, vas-y. J'envoie là parce que désolé, hein, je veux l'XP moi. Je veux voir ce qui se passe. Ah, c'est le russe qui martèle. Ça va piquer par contre. L'allemand il est où du coup? C'est bon, vous attachez. On va pas. On va faire la case. Il va redding avec la boule. Attends, il se retire. Oui, mais maintenant l'IA, il a fait le link. Ouais, non, il y a l'IA qui bourre tout. Hein. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est très sympa. On va juste jouer défensivement. Hein. Là, vous l'avez mis tellement bien, les gars, vous rendez même. Ah, bien sûr, on pouvait tout détruire sur Bilbao tranquillement au fur et à mesure. C'est même pas ça, c'est... Bref, tant pis. Triste vie. Marine, on n'oublie pas. Remember. Nationaliste Spain perd les... Enfin, je vais pas perdre, mais enfin, vous allez être super mal pour avoir... Enfin, on va être super mal. Il va même capituler, il y a moyen. Allez, plus là, par là. Suivez-le, là. Je sais pas ce qu'on fait. Là, tant pis, faut contre-attaquer, là. Hein. Faut reprendre Bilbao. Change tes diffs de montagnard, rend les meilleurs. Hein. Je vais ramener plus de diffs. Allez, on continue d'améliorer le training. Yes. Déjà des bastons. Oui. Wesh. C'est pour savoir qu'est-ce qui se passe si on gagne la guerre civile. Bah rien. Avec ses focus, il peut repartir fasciste donc. Ouais, il peut repartir fasciste, mais du coup, il doit pas nous payer des civs. Ah non, j'ai pas mis de ça. Enfin, je peux l'obliger à envoyer 3, 4, 5, 6 civs, mais max quoi. Pas trop qu'il soit. De toute façon, on l'a déjà dit, hein, mais. Il sera en volontaire only, hein, le jeu. Ça, on sait, mais en fait, nous, on est en train d'essayer de cut les spots pour avoir les civs, quoi. Genre 3-4 civs, je pense, c'est suffisant. Bah, je peux l'obliger, s'il perd, je peux l'obliger à envoyer 4 civs, oui, c'est pas un problème. Ok, ouais, ça c'est parfait.
C'est parfait. On n'est pas des putes non plus, on va pas lui en demander 10. Ok, ok. 4, ça me semble. On s'en fout d'Ibao, faut les repousser. Bon, clairement, leur objectif, ça va être de te faire capituler pour que tu leur envoies des... Pour que tu leur envoies 4 civs en paiement de... Attention, il faut bloquer la... Non, mais j'ai pas des tropopines russes. Zach, pin-le. Zach. Non, non. Salut, connexion. Salut, laser. On l'a plus. On l'a plus. Ah, attendez, je sais. La flotte, on va l'appeler. Ah, bah, ça va être chaud, hein. Parce que là, en plus, ça va renforcer. Santo, il y a moins que t'envoies. Dracula. Ouais, j'envoie 3 venteurs des. Sur la mer. J'y vais là. Je veux la tuer, j'y vais. Ici, 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 ici. Pourquoi vous avez décalé toutes vos îles là? Ici, ici, sur la case de montagne. Ramenez une div en renfort, les gars. Oh là là. Non, c'est vrai que t'as une div qui est revenue. Non, viens pas là, viens, j'ai jamais 3 div. Du coup, va là. C'était une main. Ouais, non, focus, je vais pouvoir. Oh, le nom de la volontaires. Ça va être long, mais on est déjà à niveau 2, il nous reste plus que 2. Ouais. Ouais. C'est quoi la tempête? Ouais. J'arrive. Dracula en croisière! Allez, c'est parti pour un Dracula en croisière. Ouais, mais là, franchement, ça tourne dans le star. Ouais, bah je bute l'Ethiopie, les divisions ne vont pas plus vite que la musique. Donc j'ai un TD parce qu'en direct. Plus vite, mon fils, plus vite. Tu t'es laissé repousser ou. Non, bah non, j'ai. Non, oui, bah oui. Tu t'as bypass le focus, je crois. Il a fait ça pour bypass le focus, mais je sais pas si c'est très utile de bypass 7 jours. Qui a le focus de quoi? Pour l'Italie et l'Abyssinie. Mais non, je l'ai pas. Je l'ai pas... Non, t'es juste parti. C'est juste pour farm, les gars. C'est mais non, farm, c'est pour farm. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, bien sûr. Okay, oh, comment c'est pas vous faire troquer, hein? Mais ouais, j'ai rien dit. Je sais ce que t'as pas le focus. Attaque sur la caisse de forêt à côté, sur la caisse de forêt. Sur la caisse de forêt, les gars. Tac 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 tac, casse de forêt. T'attaques en premier, moi j'ai pas le retard. Ouais, pas assez. À droite. J'ai mis la pression. Non mais toi le japonais n'attaque pas toi. Juste... Ok, j'aurai le chasseur dog dans 480 jours. Ok, on. Ok, bon, on sera agile. Qui l'aura dans 480 jours? La Roumanie. Roumain. Parce que j'ai un bonus dessus, de 100%. Ok, j'aurai le agile. Mais t'as mis le bonus dessus? Ouais, j'ai mis le bonus dessus. Ouais. Mais t'as lancé la recherche après ou pas? Après avoir eu le bonus. Ok. Quand même. Bah non, avant. 38. Bah non, c'est bête parce que moi je l'aurais avant toi du coup. Ah bon? Sérieux? Ouais, parce que moi je sais comment faire des. Comment faire des recherches rapidement. Ouais, pour la case dedans, c'est pas grave. Bah j'ai juste fait les focus pour avoir le bonus mettons dessus. Mettons la stène, Andros. Mettons la stène. Vous voulez quoi? Je vous dise quoi moi? La seule. Faudra qu'on fasse les armées pour avoir le bonus d'infanterie, oui. Neutral, policy, mes couilles là. Qui... Ouais, bon, c'est un peu de la merde. En vrai, on va partir sur les manœuvres d'armée. Hein. Julien, il part quoi? Il part infanterie ou il part. En vrai, le Bulgare, je pense que ce serait plus intéressant pour lui qu'il fasse du tank. Hein. Ou des marines. Je sais, c'est motorisé presque. Ouais, ou moto, ouais, effectivement. Il y a une date à laquelle faut qu'il meure ou pas? Oui, l'Ethiopie, c'est 37. Ouais, je sais. C'est vrai, il est devant un 10. Bah, il est devant les deux derniers points de victoire, donc ça. C'est bon, c'est bon. Pourquoi le japonais t'attaque sur le russe là? Il s'est barré. Et alors? Il allait renforcer la case de mon forêt. Bah attends, t'as qu'un problème. T'as pas l'impression qu'il y a une diff qui arrive? Pourquoi tu te désordres pour rien? T'as pas vu, t'as deux. T'avais pas vu. Ok, force attaque. Ouais, j'ai du conflit déjà maintenant. Attaque le sur. Nouveau Sephiroth? Ouais, j'essaierai de l'acheter, mais quand il sera disponible et qu'on aura les dates, hein, à mon avis, ce sera pas avant 6 mois. Hein. Ils existent plus en fait, parce que c'est un mode qui optimise le multijoueur. Donc c'est un mode qui supprime tous les pays inutiles, qui sont en historique, qui sont inutiles. Les gars m'attaquent pas quoi, c'est fun. Ouais,
Bon, sinon, faut qu'on trouve des noms pour les divisions. Parce qu'on a encore eux, mais bon. On va surtout utiliser, je pense, les motos et le. Et les marines, ce qu'on va faire après. J'ai passé mes marines sans. Donc là, on mettra des motorisés. Donnez-moi une nom pour eux, tiens. Un nom pour eux, pardon. Okay. Une nom. Pardon. Du coup, ils sont pas fous. Faut attendre un peu pour qu'ils aient leur matos. Quand on voit déjà l'Espagne, c'est mauvais signe pour la guerre de l'Est. Mais non, mais non, mais non. Enfin, on va espérer que la micro sera bonne de notre côté, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Alors, attendez, je suis à combien de subs, là? Je suis à 2 subs. On va essayer de monter à 10 subs, donc on va me faire 8. Et après... Tu tiens sur la case ou tu perds? De l'entière. Ah, ça coûte que dalle! Mais ça coûte rien! Bah attendez, on va les convertir, je pense, save. On va laisser lui se faire. Ok, donc là, ça a disparu. Et après, on va partir sur ça et on en fait 7. Coller volontaire. Ouais. Le Manchuco peut envoyer des volontaires à l'espagnol. Je peux envoyer des volontaires à l'espagnol. Bah c'est bon. Oui, ah, c'est mais je vois pas trop ce que ça va te rapporter, mais oui, tu peux. Bah écoute. Accepte. Attends. Yeah. Attends. Je vais avoir besoin de trade back. 8 usines en plus, s'il te plaît. Il va falloir reprendre la caisse de forêt ici. Ok. Attends juste, voilà, tac, tac. Tout ce qu'il envoie en gun là, 20 000. Ah, t'as beaucoup d'alu, non? Pourquoi il envoie du fouet là à l'Espagne? Je sais pas. Il a envoyé des avions. Bah non, il a pas envoyé d'avion. C'est une nouvelle. Non, non, elle a pas d'avion. Si. Tu veux que je t'envoie des avions ou... Et qu'elle a 9 à 21 avions, elle a pas de... Construit un airport à Burgos. On a pas ah oui, non, ok, c'est pour les tests, support, ok, ouais. On n'a pas de chasseurs au-dessus de l'Espagne. Bah on peut pas parce qu'il faut qu'ils construisent un aéroport, sinon on n'a pas assez. Moi j'ai envoyé 50 avions. 60 par mois. Moi j'ai 36 casses. Mais j'ai pas encore les empaleurs. Marcheurs de la nuit. Dracula blindé. Les empaleurs j'aime bien. Attendez. Les empaleurs, ça fait référence à Dracula aussi, les empaleurs. Il faut régler la situation sur Burgos là, faut réussir à encercler Bilbao. Et... Ouais, Bilbao, ok, j'arrive. Du coup, si Aspen Pigan gagne la guerre, le joueur sera sur l'Espagne nationaliste, mais... Non, il sera du côté de l'Axe, mais il sera obligé d'envoyer 4 civils au Comintern. Non, mais faut que tu construises un aéroport. Mais regarde, en Afrique, c'est bon, t'as un aéroport aussi. C'est pour le Deorg. Mais je m'en fous du Deorg. N'attaque pas, tu perds ton organisation avec 2 TVs. En Afrique, là, il y a un aérodrome à 300. Bon, je sais pas si ça sert vraiment. Ah oui, j'ai la portée, je crois, depuis les 300. Ouais, je t'ai la portée. Salut Kaiser, bonsoir à toi. Référence à Vlad l'Empaleur, exactement. On m'a proposé quoi? Dracula blindé. Ouais, je vais faire un encerclement, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, on va mettre Dracula à la montagne. Dracula à la... Mais fais attention parce que... Montagne. T'inquiète, c'est du 40 heures de combat. Le général parfait, il peut pas... Email. Pas vraiment faire des trucs. D'ailleurs j'ai fait une faute. Ah, la montagne. Avec un peu de chance, s'il déplace une ou deux divs d'un peu plus haut, on prend le cercle. Oui, c'est le principe. C'est... Dracula fait du cheval. Vas-y. Rename. Je fais un peu de dégâts au sol. Du coup, on part sur ça, on a dit. 2,5 là. Oh, on a masse PP. Fais gaffe, je crois que le russe va dépasser les 10. Est-ce qu'on passerait pas en free trade pour avoir des bonus Il essaie à tout prix de prendre la case en dessus, je crois. Ah, il y a des chasseurs juste en face là. Passer en free trade. On gagne des bonus de tech. Ou de danger. Ok. Dracula Motor, si tu fais du motorisé. Après là, les seuls qu'on va voir c'est préparez vos noms pour les Marines. Arrête d'attaquer la province de Rivière, je peux mettre 10 ans sur pas dans la bataille. Ouais.
Là, je suis la case de fort. Ah, c'est bon, l'Italie a envoyé des. Non, l'Italie, si, l'Italie a envoyé des volontaires. Ok, par contre, elle est désorganisée. Ouais, attends, est-ce que c'était montagnard qui s'en combat, non? En fait, c'est ça, c'est comme ils sont beaucoup plus nombreux que eux, ils vont se permettre de pouvoir. Trade back 3 usines. 3 de plus Par contre, ouais, on prend pas du bas haut, parce que je suis. Oh oui, je suis. Caravane de la mort. Mais ça va être ça en fait, c'est les empaleurs. Mais caravane de la mort. Oh, pas mal ça. C'est... Caravane. Ah ouais, par rapport au. Ouais, bah j'avance, mais Inpina. Non, j'ai mieux. Ping, monsieur, Les voleurs de cuivre. Ici, avec les. Les hacking ping. Les voleurs de cuivre. C'est bon, c'est bon. Il est dehors, il est dehors. Ah putain, elle est magnifique. Ah, l'imagination. Ouais. Le poche. Ouais, c'est bon, les voleurs de cuivre. Poche-le, en cercle. Voilà, voleurs de cuivre. C'est... Non, mais c'est bien. Par contre, du coup, on va changer le truc. On va mettre. Non, là, faut qu'il Est-ce qu'il n'y a pas des pinces ou un truc dans le genre? Non, il peut sur Bilbao. Ah, c'est sur Bilbao, c'est tout. Non, il n'y a pas de pinces. Mais là, on a bien joué là. C'est vrai. Ouais. Du coup, vu qu'il n'y a pas de pinces, on va mettre ça, tiens, la roue. Non, ça n'a pas de rapport avec les voleurs de cuivre. Non, il fallait qu'on ait 3 divs de plus, sinon en fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non mais il va s'enfuir avec Bao en fait. Non, Dracula des mers, on a déjà un truc pour les bateaux, Dracula en croisière, donc on va essayer de trouver un autre truc. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que normalement, dans Orsic, il a pas le droit d'utiliser... De toute façon, il peut pas. Hein. Au pire, je vais mettre des divs sur... On va mettre ça, tiens. Sur Palma, la Spanish Africa. Bon, faut qu'on détruise ça, enfin on le détruit. Yes, on est à 40 là déjà. Je peux farmer dessus, hein. Je vais aller vers Barcelone. Donc on va le duplicate. Ouais, moi aussi j'y vais pour empêcher qu'ils prennent la province, tu sais, de. On peut même le réencercler là. Hein. Ouais, bah c'est ce que j'essaie de faire. Non, attendez, on va pas le duplicate. Parce que on va essayer d'avoir le truc des marines, ça va nous donner un template direct, donc on va le garder. Ensuite, on va passer en partial, je pense. Fais gaffe, le japonais, tu peux te déplacer. Au moins qu'on prenne le. On va prendre le PP en premier. Ah. C'est bon, j'en renforce la casse, c'est bon. Ok. Ils ont envoyé combien de divs les Russes? 5. Non, plus. Là, il prend des risques. Hein. Non, ils en ont envoyé que 5, hein. Non. Avec 5. Bah non, ils en ont 5 sur Bilbao, plus encore. Non, ils en ont pas 5 sur Bilbao, il y en a 3 sur Bilbao et 2 à côté de Bilbao. C'est un bug d'affichage. Un bug d'affichage, ouais, ils en ont 2 et 2. Ouais. C'est juste que ça marque 3 parce que c'est la majorité, je sais pas. Ah oui, effectivement. Clash 4, c'est un bon jeu. Ouais, bon. Qui joue qui? Pouk! Voilà. Le Japon, tu peux essayer d'aller. Là, c'est Hippie-Man. Tout mon fer. J'ai 0 de fer. Tu pourrais m'en laisser 6. Bah, je peux pas en face. Mais en fait, il peut soit te prendre tout, soit rien. Ah bah, ouais, mais là, je peux. Oh. Ok, sinon, je peux prendre. Tu peux me trahir. Les glouglous. Ouais, les glouglous, c'est pas extra. 5 en tout. Ouais. Ok. 5 plus. 5 bah. Plus les 2 que. Ok, le russe s'est barré de Bilbao. Hein. Ouais, bah, ils peuvent. Hein. Ouais. C'est normal. Hein. Il a subsidié, je pense. Non. Ouais. À mon avis, il a fait un. Tu penses pas qu'il a pris la mer? Non. À mon avis, il a fait une ligne de repli et il les a envoyés, genre à Séville ou Cadiz, un truc en genre. Si tu fais une ligne de repli sur Cadiz, normalement tes divisions elles peuvent partir s'il y a des convois. Ça marche plus. Ah si, ça marche toujours. Hein. Ça marche. Bah, je peux te le dire, j'ai des attachés en Espagne républicaine. Tu vois les volontaires russes hein? Donc il y a 4 volontaires russes à Cadiz. Putain, j'ai perdu une dessus. Ça c'était un truc de bâtard, ça c'était poche. Et du coup tu lui donnes du bonus à ce merde du week-end, hein. Mais en fait comme Tanor a pas accepté, j'ai envoyé à l'autre et elle a accepté alors que je pensais qu'elle allait pas accepter. Le Manchu. On va devoir se replier par contre, hein, du coup. Ouais. Après je lui donne du bonus mais vu que c'est pas accumulable et que les autres envoient aussi des attachés. Il est là en marque. Allez, ça ouais, les gars sur les troupes. Il a Zaragoza hein, le russe, faites gaffe. On va prendre Manchu, ça. Manchu, t'es là. Il a Zaragoza le russe. Oui, je suis là. Je voulais savoir, est-ce que tu fais ta doctrine aérienne? Enfin, t'as combien de slots en fait de recherche? Juste pour savoir. J'en ai que 3.
Il y aura un moyen que t'en mets un sur les doctrines aériennes. T'es mort, tu peux avancer tes civils. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Ok, nickel. Bah là, tu vois, il me reste plus qu'une usine et je peux faire mon deuxième slot de recherche. Ok, nickel, nickel. Yes, on a les Marines. T'en prends une ? Au pire. De. T'as quoi ? Tu peux prendre la Lue ? Ça dérange ? Y'a un nouveau aéroport, les mecs, là, t'es au courant. De 300, hein. Là, si tu 300. Fais comme ça, c'est bon. Alors, comment on appelle ça, les Marines ? Comment on les appelle ? Vampiramania. C'est vrai qu'en fait, t'es pour aller aider. Les fils de Vlad. Oh putain, j'avais pas vu sur Twitch, on propose des noms énormes. Les fils de Vlad. 50 casse. 50 casse, c'est pas ce que j'ai pour l'instant. Non, pas de Vlad, de Vlad. Ça, je fais quand même du 7-8 dégâts. Alors, on a Vampiramania. Marina, pardon. Je pense que tu peux faire des doctrines sur Kanchuko. Doctrine des focus si tu veux. Oh, non, je suis dans la bataille ou pas? Ouais. Marines. Ok. Alors pour l'instant, on va les appeler. Ouais, c'est pas grave. Dracula à Marineland. Ah, caisse de forêt. C'est vrai qu'elle est en fini Bilbao là-bas. Non. On tue les divs, mais on laisse Bilbao en vie. Tu veux ça, et Marineland, on n'aurait pas des trucs cool. Genre, ah, les requins là. Plus pour que tu formes l'Urban. T'as combien tu Urban? Vlad le rappeur. mais non Vlad, Vlad le roi de Valachie. Il est fort partout. Le rappeur. Vlad le rappeur. Non, pas Vlad le rappeur, les gars. Pas Vlad le rappeur. Je mettrais bien une usine de plus sur les motorisés. Je le mettrais bien en haut. Ils ont moins de malus. Bon, ils ont malus de 20% en prod, mais c'est pas grave. Ok, maintenant je peux changer mes divers en armes. On peut pas se permettre d'importer des ressources. Et après, on fera du militaire là. On construit pas là parce qu'on va le donner aux Russes. Hein. Tu t'es percé sur le flamme ou c'est bon? Tu as tué Bilbao. Hein. Attention, à droite. Ouais. Le tuer les divs, hein. Ah, mais attends, je t'inquiète une à une. Non, on laisse les se renforcer. Voilà. Vous faites exprès de laisser Bilbao? Ouais. C'est pour qu'il envoie des divs continuellement? Non, c'est pour qu'il ferme son urban assault. Non, mais faut, je sais pas. Ah, oui, d'accord. Ah, d'accord, pour le... Ok, c'est pour qu'il ferme son bonus là. Il envoie des divs, hein, le républicain. Sur Bilbao. Il doit y avoir 15 divs qui arrivent. Hein. Ou 10 plutôt, 10. Ah, il a plus de power de républicain. C'est dans le combat ou pas là? Putain, par contre, s'il prend la case de. Ouais, on prend Bilbao. Ouais, ouais, s'il avance. Attends, il y a des républicains qui arrivent. Attends, vous allez pouvoir farmer un peu. Il y en a combien d'ailleurs? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, il y avait 12 qui arrivaient. Du coup, retour à la case départ. Alors, on va bientôt finir ça. Qu'est-ce que ça donne quoi, Infantry Leader? Vous voulez avec moi ou pas? Adrux, viens avec moi. Le train de l'hype. Sur Twitch, faudrait que je regarde. Oh merde, c'est quoi ça? Attendez, parce qu'il me faut mon train de live. Là, envoie-moi les détails en vrai. Les laveurs de pare-brise, je l'avais pas vu celle-là. Les laveurs de pare-brise. Les laveurs de. Les laveurs de pare-brise. Va y voir, on a quoi? Y a pas de truc vraiment qui ressemble à un pare-brise. Ou un truc qui nettoie derrière un pare-brise. Tu as vu la salle? Non, je l'ai pas vu. On va mettre ça. C'est bon, le Panzer Leader il ferme. Bon, du coup, vu que là on est bon, on va commencer à faire notre template là. Donc on va juste faire. Non, on va faire un duplicate.
On va les appeler. Alors, on m'avait proposé quoi? Oh, bijou, poche vide. Pour bébé! Pour bébé! Non, attends. Argent. Pour bébé. Argent, virgule, pour bébé. Pour bébé! Argent pour bébé! Du coup, on va mettre ça, tiens. Tac. Et. Attendez. Save. Et du coup, là, on met les argents pour le bébé, on va mettre la literie. Et. Ah, merde, j'ai pas. Faudrait que je fasse le. Et eux, on va mettre. Ça. On prend déjà Barcelone ou pas? Non, 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 farm ton urbain sur Barcelone plutôt. Ok, est-ce que ça farm pour arriver? Non, non, avance pas sur le fleuve tout à l'heure, laisse-le. À droite, laisse-le. Pourquoi? Donc comme ça on farme le mec pour le... Ah mais t'as avancé à gauche, ok. C'est bon, on farme le farm. De toute façon ils ont plus d'hommes, hein. vous allez avancer easy. Hein. Vous voulez le ranger? Il vient de passer en... Sorry, c'est court, hein. Non parce que je suis mon panzer leader ici. Ah il vient de passer au-dessus? Ouais, le plus bien qu'il vient de passer au-dessus de la construction. Hein. Le lancer des noirs pour ceux qui connaissent les animés. Allez, Panzer Leader, là, fais-toi, putain. Ah, du coup, on a ça. On va faire les Marines. Ah, ça me donne un template à 20 direct. Oh, c'est pas mal ça. Enfin, un template à 40. Ah, bah, on peut pas. Trop coûteux! Mais tu fais de la merde. Non, on va mettre ça au-dessus. Tu vas écouter du Vlad. Tu sais que là il a plus de manpower. Il donc a moins de pousser le russe. Hein. Il va se faire éclater, je pense. Je vous le dis. Ouais, je suis d'accord. Ah, Drox, t'as aussi. Bon, je vais aller voir ça. Le mec, oh là. Ouais, mais il augmente tellement pas. Ok, le russe. Ah, on peut pêcher le russe, pêcher le russe. Il prend des risques, hein, il prend des risques de ouf là. Ah putain. Ouais, ouh là, il est encerclé. Allo, calme-toi. Bon, j'arrive, je renforce. Oh, calme-toi là. Faut venir là. Hop là, le russe. On a perdu Japon. Ah ouais. Là, putain, ça fait tellement pas de fou. T'as envoyé combien de cibles allemands en fait? T'en as envoyé que 3? Je reviens. J'ai le droit qu'à 3. Ah, c'est pour ça. Bah, parce qu'en fait, comme le Jap plus l'Italie plus l'Allemagne, j'ai limité à 3. Ouais, mais en temps normal. Ouais, bah, en temps normal, c'est 3 pour tout le monde, même le russe. Hein, c'est pour ça, mais c'est pour ça que tu pourras pas. Donc, j'ai abandonné. J'aurais jamais. Abandonne de farm pour un garçon, c'est ça. Trop volontaire, tu feras en Barcelone et il faut que tu fasses de l'encercler là. Non, mais là j'ai 50 sur 500, je oublie. Non, ça sert à rien. Ouais. Tu feras pendant la guerre par contre. Salut Romain, t'as raté pour l'instant la guerre civile d'Espagne. T'as pas pris tout ce que t'as raté. Ouais. Gare bon. En... Des chars légers. En Chine qui va bientôt commencer. Si tu veux. Comme ça, je remplis mes dieux. Mais voilà, pour l'instant. En vrai, j'ai une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'était pas à nous la question. Ah. Bon, go. Ah, ça aurait été intéressant qu'il nous pose la question quand même. J'aurais aimé savoir. J'aimerais bien l'encercler là. Ah, j'ai pas fait ça donc je peux pas le prendre, ok. Ouais, pour l'instant, on va passer en partiel. Hein. Ah, attendez, non, on va prendre le bonus pour l'infanterie. J'ai envoyé. Ouais, mais y'a personne pour nous aider. Y'a que moi et toi qui essayons des trucs. Donc, bon, J'arrive. Ouah, l'Espagne a des tanks.
Allez, j'ai des grosses couilles là. Allez, go, go, on y va. Ah, l'allemand lui envoie ses Panzer. Ouais, ouais, ouais. Les fameux tanks espagnols avec zéro matos dedans. Tu me suis, tu me suis. Ouais, j'essaye, ouais. C'est bon. Je pense sur la caisse d'à côté. C'est bon. Dans tous les cas, je prends la caisse d'à côté là. Putain. Ah non. Le Japon qui sauve les miches de l'italien. J'aurais fait un last stand de toute façon, un last stand tactique. Ah, enfin l'aéroport. Le bon last stand tactique. Allez, go go go. Attention, le russe qui tente des trucs de l'autre côté à l'ouest. Ouais, j'ai vu. J'ai de la merde. Pile-le, ouais. Fort. Mon dieu. Oui. Ah putain, l'IA, la grosse pute. C'est bon, GG. Bon. Last stand. Ça, c'est une belle poche. Voilà, GG, bravo. Au revoir. C'est une belle poche. GG. T'es plus occurrent, mais ouais, en vrai, il m'envoie pas. En fait, les messages de Twitch passent automatiquement dans l'Espagne, faut que je l'enlève. Ah là là, c'est beau ça. Comme quoi, faut pas prendre de risques. Hein, ouais. Last stand. Les bancards en Twitch. Non, c'est con de la stand parce que sur Horse, tu perds du War Support. Regardez son War Support qui descend. Tu la stand. Ah bon, la stand trop, regarde ton. On y est retenu. Ah oui, putain, effectivement. Hop. Et j'ai perdu 1%, 1,10. Oh, ok, maintenant allez doucement là, j'ai besoin de finir mon point. Ouais, faut que je ferme aussi. Bah, tu le russe, c'est bon, toi. Bah, avec 3 livres, c'est compliqué de faire quelque chose. Oula, je suis poche. Mon dieu, c'est quelle poche. L'IA qui fait des actions là. Incroyable. Un joueur français. Ah, je suis à 11%. On va l'avoir, le Panzer Leader. Avance pas. Ouais. Une belle poche, surtout pour les Russes qui sont morts, en fait. Tac. Bon, bah voilà. Moi, faut que je trouve une jeu. La rivière. Ça reste combien de... Attends. Pire, on se remet derrière le fleuve. Non, il a passé 10, on se remet derrière le fleuve. Faites pas de poche, maintenant. Royal Foundation. Arrêtez d'avancer. Et il reste combien de temps son malus là pour avoir support? Tu paladif. Ouais, c'est moi qui l'a tué, putain. Quel connard, je passe. Tu es paladif, hein. Après, il a tellement plus de manpower que. Et d'armes. Ouais, même s'il renforce. Mais pas grave, on s'en fout des divs maintenant de tout, c'est juste d'avoir des combats contre lui. Là, je suis quand même mon Panzer Leader. Je suis à c'est qu'au final, sur les 20 000 guns qu'ont envoyé les soviets, il en a reçu que 5 800. Ah ouais. Parce qu'il a passé de convoi. Je vais rien pouvoir farmer du tout en espagnol. Je suis trop loin de tout maîtriser encore. Tu fais que 21 XP et rien, c'est l'arnaque. J'en ai fait 67. T'as fait beaucoup d'XP, toi Bon, du coup, alors. Santo. Oui. T'as fait combien d'XP aérien? Oh, j'ai pas beaucoup là, j'ai 50. Puis Thérèse, t'as beaucoup? Thérèse, ouais, j'ai 200 à peu près. Oh, mais les gars, regardez l'XP naval qu'on a, quoi, c'est insane. Une fois que t'as fini, pas comme ça, n'avance pas. Hein. Je vais faire mon Éthiopie, hein, mec. Tu vas comme ça, tu arrêtes. Ouais, mais moi, c'est faut que je ferme un peu d'XP là, parce que. Mais n'avance pas sur la carte. Stop. Ah, ouais. Stop. Ah, c'est agréable que je sois fuite, genre. Stop. Juste. Ouais, comme ça, on le met. On améliore nos subs. Je finis juste mon Panzer Leader pour. On va importer un de métal. Ça va diminuer nos malus. Si Charlon est salé. Sur l'artillerie notamment. On passe à 7,50 de malus. Question, ils disent de la Chine hippopoto ou... Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a qui... Ils givent de la Chine, c'est vrai qu'il les fait pop ou ils sortent automatiquement? Ah non, je pense qu'elles doivent pop automatiquement. Hein. Ouais. Je pense. Okay. Il doit y avoir un event, un genre qui les fait pop. Il y en a pas mal, hein, fais gaffe. Après, Zach...
Après Zach, t'auras pas les malus, hein, je crois. Non, je crois pas. Au début. On pourrait faire ça. Allez, on fait ça. Comme ça, on gagne de la stab. J'ai pris une bonne initiative, sur j'ai déjà commencé à chercher le 15-40. Genesis. Tant que je fasse tous mes focus. Oui. Tu peux filer deux usines, s'il te plaît, à l'italien. Yes. Putain, mais... Du coup, on va arrêter de prendre. On aura le droit de faire les attaques de 44, quoi. Ah non, ils sont bloqués, les attaques de 44. Ah non, les fighters de 44 sont bloqués. Après, pour le casse et tout ça, tu peux. Ah, parce que du coup, j'ai déjà commencé à chercher le casse de 40, parce que tous mes focus, je serai jamais. Du coup, c'est sûr que j'aurai le bonus pour les casse de 44. Quelqu'un fait des bombardiers navals? Ouais, moi je vais en faire. Ok. Bulgare, il passe sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Bulgare, il passe sur quoi? Il passe sur la motorisée. Je pense qu'il fait mécaniser, il va prendre les bonus pour les tanks et les motos. Ouais, là il fait les trucs de mecha, alors je pense qu'il. Tu fais des initiatives de quelle année sur ce mode? Comme tu veux, ça c'est toi qui vois. Ouais, je fais 38, mi 38. Hein. On a notre template de base, après il reste encore à mettre les trucs. Il faut qu'on fasse les compagnies de support aussi. Faut pas que j'oublie les compagnies de support, sinon. Ouais, putain, 33%. Salut William! Je vais le faire sur le Portugal. Hein. Ouais, tu pourras faire sur le Portugal. Je suis pas sûr que t'aies une restriction de temps d'ailleurs sur le faire du rapport Portugal. Vlad l'Empereur est, l'Empaleur est toujours supérieur à tout le monde. T'as bientôt, t'as le temps. Qu'est-ce qu'il y a? La flotte roumaine elle est grande, regardez-moi ça. Ouais. Regardez-moi ça, 5 bateaux plus 3 en amélioration. On a 4 destroyers et le reste c'est des subs. Ouais ouais, non mais tu t'as les Pays-Bas etc, hein, ce que tu veux faire. Ouais. Accepte le... Les Pays-Bas, je sais pas, hein, parce qu'ils ont 0 div, hein, comme la Belgique. Quoi? Non, mais ils ont des div, putain. Ouais, ça va pas, Pouké. Ouais, non, c'est fait exprès. Pour oh, ouais, bon, je veux pas que ça. Oh là là, oh, c'est dé. Déjà fini. Quelle arme. Les brigades vont disparaître, j'espère. Oh, j'ai même pas vu passer, genre, ma première escadrille de casse en. T'as un Dracula à la montagne, hop! Allez, tu passes à 20. 55 jours, j'ai les chasseurs. En fait, j'aurais dû prendre l'autre parce que tu du coup, avec sens, celui-là, j'aurais pu économiser du. Avec. Là, je fais un truc pour avoir plus de celui. Non, dupliquer, pardon, celui-là. Au moment où il était à 40, parce que j'aurais économisé ces deux-là, donc 20. 4 usines. 4 usines, ok. Je prends les volontaires sans faire de 120 multiples de 1 ou de 2 8, hein, je sais. Ouais, ouais, ouais. Yes. Mais t'as pas l'air d'envoyer des volontaires en Chine. Non, mais j'enverrai à l'Allemagne. C'est ça que je parle. Ah oui, non, putain, t'es la Russie. Oh putain, t'es l'Espagne. Oh là là. Ah oui, non, putain, mais. Je suis un peu fatigué. Ça, c'est fatigue de fin de semaine. Ah bah, c'est ça le vendredi, hein. Ah, vendredi, c'est. T'es trop tôt pour le schluss ou pas? Ouais, un petit peu, oui, parce que moi je vais aller sur la Yugo, etc. Hein, t'inquiète, attends un peu. Bah, je le fais janvier 38, je pense. Ouais, ouais. Là, j'y vais. Il faut que je fasse ça aussi pour partir fraîchiste. C'est super intéressant. Une fois qu'on a ça. Pacte style. De toute façon, sur le monde, ça sur l'artillerie. On a sur les weapons, attendez. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que je viens de lancer les weapons. Donc, une fois qu'on a ça, on fait ça. Comme ça, on a le bonus pour les weapons de 39. Oui, t'inquiète. 39, je crois. 39, hein, pour le Portugal. J'ai un event. T'entends pas une décision? T'as une décision pour l'annexer. Une décision, non, il me semble. Une décision pour l'annexer, mais pas pour le. Mais bon, je pense que j'aurai une décision pour. Mais c'est possible. Ouais, j'ai une meilleure fasciste, Azuki. Je pars sur le comment dire, le l'axe. C'est pas un peu tard? En vrai, je sais pas. Je pense pas face à une IA, je pense que c'est pas un problème. On va chercher plein Hongrie, quoi.
Donc je recherche quoi. Fais ouais. Les tactiques peut-être. Les tactiques. Ouais. Ouais ouais. Ça peut être utile. Ça peut toujours servir. Bon après on part en partiel. Hein. Partiel mobilisation. J'ai pas d'inquiétude. Mais en vrai j'ai pas lu le malus de 20% là. 38 j'ai les avions de 40. En fait j'ai fait tout, toute l'aviation, tout ça, j'ai fait 4 focus pour rien. Santo. Oui. Tu les as quand les Tu passes quand la Hugo et la Grèce Il faudrait que je fasse ça pour avoir le 7% de plus. 3 focus et demi. 3 focus et demi, je l'ai fait un peu tard. Mais... Tac, comme ça on aura le 100%. Ça le bonus de 100% pour les armes ici. 25, il me semble. On pourra les mettre d'ores et déjà en prod. Ouais, faudrait le bonus d'artillerie, on va aussi le prendre pour lui. Et c'est juste pour éviter que les alliés puissent avoir. Puis on va aller sur ça. Général, avant un moment. Oh, regarde le focus d'anglais. Ouais. Pouah toutes les. Ça m'a fait peur. On va pas être en guerre assez très très vite, donc on va faire le bonus d'artillerie là. Ah, ok, il dit du chien. Dracula Marineland. Hop. Ok, t'es là, Foxo? Ok, dans deux jours, on peut prendre notre. Quoi, tu veux dire? Non, Foxo. Ah. Foxo, faut que tu sois là. Ils sont indécis dans le chat! Ah, en fait, pour l'instant, je suis royaliste, mais après, on va partir fasciste parce que ça donne des meilleurs bonus. Ouais, je sais pas si j'ai le manpower, de base de manpower moi. Je vais un peu sur ton. Sur ce que tu l'as fait en tant que contrôleur. Ouais. T'as joué, c'était quand la dernière fois que t'as joué Reportable? Ah, je pense. J'ai joué en multi ou j'ai joué au jeu? Ouais, multi. je préfère pas en parler. T'es habitué au fuel ou pas? Bien sûr, ah oui, fuel, oui, évidemment. Ok, ça va. Regardez, il neige! Ding ding ding! Oh non, il neige plus! On va voir des Fighter 2 de l'italien. Non! On a fait du Fighter 1. Si c'est le cas, bah désolé. Il en a fait, je crois. Vous voyez des guns ou pas? Attends. Donc va falloir que tu prédispositionnes en fait tes escadrilles. Tu vois comment renforcer une escadrille hein. Regarde, mets un seul avion sur un aéroport. Attends. Après tu les montes à plus 100 comme ça va les mettre automatiquement. Ah oui bien sûr ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Tu fais des escadrilles de 1. Tu fais des escadrilles de 1 avion, genre t'en fais 30 à peu près, et tu les montes toutes à 100. Et comme ça, une fois que tu reçois les avions de l'allemand, toutes tes escadrilles sont déjà remplies, t'as pas les... Oui, ça c'est bon, tu connais. Ça c'est bon, ok. Donc ensuite, tu les déploieras tout de suite là où il te dit. D'accord. J'ai les chasseurs de... Qui c'est que les chasseurs de que je prenne Santo. Aïe, ça se traite de gueux là, oh là là. Il y a des endroits où c'est indispensable, quoi qu'il arrive, même si tu prends des pertes, il y a des endroits. Même si tu perds et que t'as le raider dessus, c'est pas très grave de pas se battre, d'accord? Ok. Donc la France par exemple, c'est là où c'est un peu en quelque sorte indispensable de se battre quand l'allemand se bat. Quoi qu'il arrive, tu te bats en. Adrux, yes. Tu prends pas ma licence de chasseur? Et en Russie, tu mettras tous les cas possibles. Adrux. Ben là, en Afrique. Casse... Ensuite, en Afrique, c'est pas. Ça m'énerve, j'ai fait les chasseurs. Suite, pour... Dès que je course, moi ça consomme une. Oui. Ensuite, en Afrique, c'est pas indispensable de se battre si jamais tu perds contre Fighter. Parce qu'au début, c'est compliqué d'avoir le. Range. J'ai fait pour rien. Putain, ça m'énerve, j'ai fait 2 techs pour rien, plus 4 focus inutiles quoi. J'aurais pu faire tous ces focus là, ou 4 focus ici. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ça m'énerve. Vous allez faire des Tank Bomber ou pas, les gars? Ou des casses? Ils sont partis sur du casse. Mais je recherche quand même le Tank Bomber au cas où. Ok, parce que si le russe par un OR fait du Tank Bomber et bombarder lui sa gueule. Bon. Avec, est-ce qu'il fait le russe là? Mais je l'ai le malus en fait. Maintenant on peut regarder ses licences en vrai. Ah tu l'as? Ouais bah attends. Ah oui mais il est moindre. Du coup je peux toujours pas faire le... Ah non c'est juste qu'il y a... Il est pas moindre. Je crois que je peux même pas là. Attends. Comme tu veux. Je peux le faire ou c'est encore trop tôt? Bah, ça m'a laissé trop. Sinon, ça me le fait automatiquement. Aller en... Ah, mais c'est comme tu veux. C'est bien foutu leur truc, ça t'enlève automatiquement les malus petit à petit.
C'est un peu tôt pour l'autre chose. En fait, pour l'instant, ça sert à rien que je prenne ta licence. Ouais. Mais si moi, je me couche plus sur le casque. Je veux mettre des fighters là, vite fait. Une bande à divin. Qu'est-ce que tu me dis Oh, c'est parti en délire bourgeois dans les coms là. Allez, allez à mort les bourgeois. Ah, tu veux que je mette mes avions ici? Non, juste des fighters vite fait. Genre une centaine max. Enfin, juste les 100 que je t'envoie. Parce qu'ils bombardent vite fait le. Ah, ok. Ok, j'arrive. Il a envoyé 20 000 guns à la Chine. Il a même pas envoyé de volontaire. Non, il peut pas envoyer de volontaire. Est-ce que je te. Comment dire de... Est-ce que je te rejoins dans la guerre parce que. Bientôt, t'inquiète. Je pourrais pas attaquer. De toute façon, je compte pas attaquer maintenant, donc on peut attendre encore un peu. Ok, ça va. Parce que je suis en difficulté. Ok, on fait le support, comme ça on l'aura, on est sûr. En vrai, on est bien là. On a pris deux usines du coup, on construit bien. On se fait nos réserves de guns, on a déjà 20 000 guns. Faudrait qu'on fasse des plus de réserves d'artillerie du coup. Tac. Incroyable. Les joueurs français! J'en mets un pavard! Pardon, excusez-moi. Du coup, on fait ça. Faut juste faire attention qu'il débarque pas d'un coup. Non, j'ai mis une petite flotte, comme ça il peut pas débarquer. Yes. Les prolétaires contre les bourgeois. Bon, après, je vais pas m'exprimer sur sujet, parce que moi, les communistes, c'est pas ma tasse de thé, mais... C'est pas ma tasse de thé, les communistes. Dear, it's not my tasse of tea. Mais... Ah, je pourrais produire des entières. Contre les alliés, ça pourrait être utile, mais après, contre... Ils marchent pas, alors, just for work time, sur Portugal. 230, c'est 230 jours que ça prend. Ah, faites gaffe les gars, vous envoyez encore du matériel à l'Espagne. Notamment le Japon qui envoie encore des armes. J'ai des vieilles armes, j'en ai plus. J'envoie un support technique par jour. Je veux bien les avoir, tes armes, celles du monde, tu vois. Alors, que... bah là, en fait, je suis en déficit de gun là. Faut... Ouais, donc voilà. non, mais c'est les vieilles armes, j'en produisais plus, c'était les 5000 de base que j'avais. Et du coup, ils prenaient celles de ton infanterie. T'es pas communiste, t'es socialiste radical. C'est un euphémisme. Alors du coup, lui, il est quoi? Il est en réparation? Ah non, il est en... C'est celui-là. Ok, on va remettre les convois quand même après. Zéro bateau, le français? Ah, il a transféré sa flotte à l'Angleterre. Ok, il peut faire ça, d'accord. Oui, il peut faire ça. Oh, le fils de... Ah oui, ça fait une grosse flotte anglaise. Ça fait une très grosse flotte anglaise. 430 navires, 450. Plus la flotte américaine, ça fait vraiment beaucoup de navires. C'est vrai, 600, 700. Bon bah la supériorité d'avant, on pourra pas tout. Exactement. Oh, ça lag. Ouais. Y'en a un qui lag. Ah, y'en a un qui lag là. C'est la lag dur. Hein. Ah, attendez, on va améliorer les voleurs de cuivre. Oui, parfaitement. Oui. Tac. Les voleurs de cuivre sont. En fait, pourquoi je prends les motorisés pour les voleurs de cuivre? C'est parce qu'il faut qu'ils en aillent vite. Enfin, je suis pas un macroniste, hein. Mais je suis pas communiste non plus. Moi, je suis pas affilié à un parti en fait. Pas que moi affilié à un parti, ça marche pas comme ça dans ma tête. Non. Ça marche pas comme ça dans ma tête. C'est bon, Discord est parti.
Ou c'est peut-être toi. Bah non, c'est pas toi. Pour moi, tout le monde me gagne. Tout le monde parlait avec des gros clics. Ouais, j'avais le même problème. Voilà, bah c'est Discord. Arrête de faire les clics. Wesh, arrête de me taper là. C'est parti. Ah, du coup, on va attendre là, 400, on va prendre ça, je pense. Alors, est-ce qu'on prend ça? On va prendre ça. Alors, on va pas prendre lui. Je sais pas trop. F pour les volants. Attendez, on va prendre l'industrie. F. 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 35 jours, on va faire ça, 35 voilà. Jours c'est assez court. Ça s'amuse, super, génial. La Pologne a 0,10. J'ai des 6 non alignés. En fait, moi j'ai une conception très différente. C'est pour ça que je me frite très souvent avec les gens à la faculté. Parce que j'ai une conception très différente de l'idéologie en tant qu'idéologie. L'idée d'aller en Belgique francophone, le parti communiste local est un des plus importants de la région. Ah, c'est un peu le seul pays où il y a un vrai parti communiste alors. Et l'Allemagne. Bah, t'as que 200 closer support. C'est pas normal. Ouais. Vérifie tes stocks. Vérifie tes stocks. Le Japon, vérifie tes stocks. Le Japon, le Manchu. Quoi? Bah, tu peux mettre plus des closer support, des casses là. Bon, tu peux mettre plus. Attends. On va dire que j'ai plus tendance à faire des compromis en politique, moi, d'un point de vue idéologique. En fait, je pioche un peu là, un peu ici, un peu là. Je pioche ce qui m'intéresse, en fait. Super. Salut, Jenny Prince. Du coup, on va dire que je peux pas m'affilier à un parti parce qu'il y a énormément d'idées dans certaines parties que je ne suis pas. Donc, du coup, c'est pas possible. Voilà. Waouh, j'ai les bombardiers tactiques. Et un complot contre le roi mené en douce par Genesis. C'est cool. Non, ils commencent avec 6 Dockyards, les Russes ils ont que 6 hein. Ah, il faut expand the Red Fleet. Ah ouais. What? Quelqu'un a parlé, quelqu'un a parlé. 70 jours pour faire des Dockyards, effectivement. Quand faire des subs. Des subs, mais il y a 100 navires. Il fait une nouvelle méta, il va essayer d'envoyer l'Allemagne, c'est parti. Allo, je me sens seul là. Ah, en fait, ça lag un peu, je crois que Discord il... Ouais, arrête de voir. Je vais voir si je peux pas changer si je peux pas changer la localisation des serveurs. Vas-y. Non, ça c'est mon compte. C'est ce que je fais, les paramètres de serveur. Oh, c'est une blague, quand je suis en stream, je peux pas changer la localisation des serveurs. Pardon. Parce que je suis en mode. C'était le streamac. Je suis en mode streamer en fait, et du coup ça bloque le. Il faut demander à un admin de faire. Ah, y'a que moi qui ai accès à ce genre de choses. C'est l'admin, tu vois. C'est pour ça que je me comprenais pas quand tu disais bah il faut un admin. Trop non, ouais. Non, mais genre un mono, mais s'il peut pas. Voilà. C'est dommage. Oh, attendez, je vais vérifier quand même. Non mais putain, je reprends mon compte, sérieux quoi. Paramètres. Qu'est-ce qu'il donne? Waouh. Le comment il s'appelle? Waouh, c'est bugué. Soviet envoie 20 000 SVT, 117 de fuel. Oh, ça va. Ça va, je repasse. T'attaques quand le japonais? Bientôt dans. Maintenant. Guitar encore. C'est parti, on est tous avec toi. Attends, on est 10. Ah merde. Du coup. Tu débarques à Nankin ou pas? Il
Telly se rapproche rachalement. Ah oui, en fait, il y aura 30% de ce monde-là avec la chose, quoi. Ah, ok, c'était bon. Let's go. Bon, ouais, c'est pas grave. Yes. C'est bon, t'as le support aérien qu'il faut. Mais il y a 200 avions et demi. Oh, une dissert de 4 heures le mardi. Oh là là. Ouh. Oh, chaud patate. En vrai, on continue à faire du civil, je pense. Hein. Tac. Non, on va arrêter là. No! Je passe l'allemand, moi, une batterie de bac de usine. Là, je prends. À qui? C'est l'hongrois. Je te prends deux usines pour le caoutchouc. Les caoutchoucs? Oui. Oui, super. À quand les nouvelles visions de Ruse? Oh là là! Oui. Ruse, c'est un peu. De qualité, là. C'est un peu les vacances actuellement. J'ai pas fait de Ruse depuis. Je crois que j'ai même désinstallé mon jeu de mon ordi. C'est pour dire. C'est bon, ça avance, ça avance. C'est que Ruse, oui, c'est oui, oui, pas oui. Des masses en ce moment. Hein. Alors on pourrait faire. Non. Faire ça qui est cancer. Faire ça. Les voleurs de cuivre sont cancer. Vous pensez quel pays va rager en premier? I don't know. On va voir comment ça se passe en fait. J'ai pas de munitions, je. Tu t'es pas accepté, son tour? Ah ouais, excuse-moi, je vais te rendre les usines. Hein. Non, mais c'est bon, je t'en prends 5 de moins en trade back, parce que moi je te prends. Ouais, mais je vais. Ouais, mais je vais. On va prendre ça pour le. D'ailleurs, si vous en avez lu, vous pouvez venir chez moi, ça me fait des usines en plus. Pour les 10 ans du jeu, un petit live. C'est quand les 10 ans du jeu? L'axe, 2 secondes, s'il vous plaît, on a un gros problème. Aïe. Le Canada, non, laissez en lecture. Le Canada qui ne parle pas, qui est notre air contrôleur, ouais. A demandé à Gevco un lend-lease. Gevco a pas regardé, il a pas contrôlé ligne par ligne, et du coup Gevco lui a envoyé tous ses convois. Ah. Donc, ça veut dire, on a aucun moyen, à moins de recharger la game, on n'a aucun moyen. Mais le Canada peut pas y renvoyer ses convois? Mais non! T'as un peu quoi, ça fait pas. Ça fait que dans un sens. Donc on a. En fait, si vous voulez niquer la game là, bah partez en convoy raid le jour 1 après le début de la guerre. On vous laissera deux mois au début. Et on peut rien faire quoi. Mais on vous laissera du coup en soit c'est ça, soit on recharge. Hein. Non mais non, attends, stop. Ce qu'on va faire, c'est que les deux premiers mois, on ne fera rien le temps que le Canada renvoie les convois à l'Angleterre. Ok, comment ça on fera rien? J'ai une question, est-ce qu'il peut toujours importer? Bah limite pas quoi, enfin c'est la merde, regarde son nombre de convois, il en a, bah, il en a 49. Il en construit, hein. Il a... Non mais d'accord, mais l'anglais, je sais pas si t'es au courant, mais l'anglais il doit se préparer un peu pour la guerre quoi. Bah ça on dirait que c'est de sa faute quoi, ma foi il se démerde avec les ressources, qu'il a pour les ressources. Ok d'accord, il se démerde, mais si vous... Non mais très bien, y'a pas de problème. Non mais les deux premiers mois, pas de convoi raid, comme ça... Mais si vous voulez niquer la game en 39, bah faites une game normale quoi, Le temps qu'il renvoie les convois, on fera pas de convoi raid, déjà. Non mais le mec il a un an pour faire des convois, c'est bon. Il a le temps d'avoir 600 convois le temps de la guerre. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais bon, si notre... de convoi mais on va pas faire du convoi raid intensif spectre enfin, non, on est quand même pas anti-jeu quoi. Enfin ouais, on est pas sur tour balance ici, on a quand même envie de jouer quoi. Ah ça tacle. C'est gratuit mais j'y concède. Ça tacle sec, dis nous ça tacle sec ici. Ah mais ils m'ont éclaté. Alors Ruth, ils font la fête. Ils font du bruit. Ça, c'est sorti le 9 septembre 2010. Voilà. Je pense.
Je pense qu'il y aura un live avant. M'exporter du pétrole, mon cher Japon. Mais on pourrait plus continuer avec les avions. Il y a un live 24 heures qui est prévu. Ouais, hein, 3 jours, oui, le Japon. Dans le début d'année. C'est bon. Je m'exporte 56 pétrole. Il m'en faut 46. C'est bon, là, j'ai 62, arrêté. 62, pardon. J'ai arrêté. Alors, qui me pompe le pétrole, ce personne. Fils de. Non, personne qui prend ton pétrole. Vraiment. Je sais pas, genre c'est écrit exported de moins 46. Eh ben, je pense que c'est peut-être. Vu que t'es un peu pété, ça prend automatiquement. Il est pas un peu pété le truc développe Chinese ressources là? Ah, si, il est extrêmement pété. 72 d'aluminium? Non, t'as un truc qui est encore plus pété. Ah bon? Regarde le focus du Manchu. T'as un truc qui s'appelle Manchurian Railways. Ça construit dans chaque province que le Manchu a deux infras, trois building socles et une. Tous les 140 jours? Tous les 140 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut lui donner les provinces de ressources. Ah ouais, c'est complètement cheaté. What the fuck? C'est complètement. Un peu, ça a un focus qui dure 35 jours quoi. Oui. Bienvenue sur Horst. Aïe aïe aïe. Ça, c'est un jeu de qualité, on a pris. Non, mais c'est parce que comme ils sont super compétitifs, le japonais en général il peut rien faire. C'est vrai que tu... Ouais, j'ai vu les moments d'attaque pour le Japon, c'est genre fin 40 et tout. Ouais, c'est 41. Ils attaquent super tôt en fait. 41, c'est pas super tôt. Qui pourrait m'envoyer des. Parce que nous, nos règles, quand on joue, nous, nos règles, c'est pas d'attaque japonaise avant genre août ou juillet quoi. Mais c'est juin 41 l'attaque. Ah non, c'est janvier, je crois. Hein? Sur les alliés? Ouais, sur les alliés. Dans le mode, oui, c'est janvier. Ouais, c'est ça, ouais. Janvier, c'est un peu tôt, hein. C'est... En fait, il a son focus qui est bloqué au 31 décembre 40, et il dure un jour. Ouais. Donc c'est 1er janvier, quoi, il peut attaquer. Moi, le cast 40, ça va faire du bien. Combien de divs, la Chine? Ok. Je pense qu'on a genre... Oh, il a vache. Oh, putain, oui. Genre ça spawn continuellement ou quoi? Bah, il est plus strong que moi. Mais c'est normal, t'as le russe qui a envoyé des dizaines. Wouah, le nombre d'usines militaires qu'elle a, putain! Ah, ouais, bah, c'est pas... Mais oui, mais c'est toute la Chine, les mecs, c'est normal. C'est pas légal, monsieur! Normalement, la Chine, dans le Vanilla, t'as genre 20 pour la Chine, mais toutes les autres réunies, ça fait. Après, c'est pour ça, c'est Sega qui m'avait dit qu'il la faisait pas jouer la Chine, justement, ce qui l'avait rendue beaucoup plus puissante. Somme toute, tu fais des avions? Ouais, j'en fais, là, je fais des chasseurs. Je vais faire du bombardier naval quand j'aurai le 2. Tu déclares la guerre à la Yougo et à la Grèce ou pas? Ouais, là je déclare. Ils peuvent justifier, non, si t'attaques pas maintenant. Garantir, ouais, ils peuvent pas les garantir, hein. J'ai bloqué les garanties sur la Yougo et la Grèce. Tu peux déclarer sur la Grèce ou pas? Une fois que t'auras fait la Yougo, ouais. Oh, ok. J'ai 5 research slots, qu'est-ce que je fais? Le Manchu, ne te mets pas sur le front, mets-toi en résistance. Bah, tu sais, j'attaque pas, donc bon, je... Oui, mais autant que tu te mets sur la... En résistance. Allez, on produit plus! Plus! Est-ce que tu peux me trade back une usine, le Japon, s'il te plaît? Ouais. Pour ton pétrole. Pilalou, pilalam, pilalou, lalim. Salut, Mikael! On pourra jouer contre moi, oui, bien sûr, si vous voulez. J'en parlerai. Allez, pour tout ce qui est de jouer avec moi, ça se passe sur mon Discord. Donc, allez sur mon Discord. Pour les streams russes, il me faut du monde, en fait. Sinon, c'est chiant tout seul. C'est pour ça. C'est lassant, en fait, sur tout ça. J'aimerais bien des volontaires à l'Italie. Bah, go, hein. Peu. Bah oui, tu peux, pourquoi tu pourrais pas? Je sais pas. Allez, go. Ouais. T'es fasciste? Ah oui, t'es fasciste. Ah, je suis fasciste. Moi, j'ai pas fait les trucs. C'est moi, il faut que je prenne un démagogue et tout, je crois. Fasciste! Allez, sans casse. Je me fais l'XP aussi.
Ah bah ça sonne bien, ça me fait l'XP à tout le monde. Pourquoi j'ai qu'une division? C'est un exploit pour avoir plus d'expérience terrestre. Ça te permet d'avoir plus d'expérience terrestre et donc du coup de faire tes templates beaucoup plus vite. De modifier tes trucs beaucoup plus vite. Alors, yes, il faudra c'est pour ça. Important, et tu trade back les usines. Prenez-en chez moi, les amis. Le Romain, tu peux me trade back une usine, je sais pas. Yes. Alors, la Hongrie. Pourquoi je te trouve pas pour trade back du pétrole, mon cher? Ah, mais j'ai pas de port. Okay. Ah, bah oui, triste. Bah non. Mais t'es qui? Le Manchuka. T'as un port? Ah, bah t'as pas besoin de port normalement. Mais je te trouve pas en fait, je ne peux pas te payer. Ah, parce qu'il est dans la mer Noire, c'est pour ça. Du coup, ça bloque maintenant. Mais non, on a un lien terrestre donc. J'ai la Roumanie, mais j'ai pas. Pourtant, il me reste encore du pétrole, je crois. Ouais. J'ai 101 pétrole d'exporter. Moi, c'est vrai qu'on peut. Il y en a que 16 qui sont importés. Bah, attends, je t'exporte, c'est bon, je t'ai trouvé. C'est juste un bug de merde. Yes, une nouvelle arme, parfait. Tu peux me trade back 3 usines, s'il te plaît. C'est Manchuko ? Ouais. Attends, on vérifie qu'on les a quand même, les usines. Yes. Alors. Commerce. Le Manchuko, il a du pétrole. Il a quoi le Manchuko ? Ah bah, il a de l'acier, Manchuko. Tac. Le gars, vite fait, 2500 armes. Est-ce qu'il a du tungstène? Moi j'ai 0. Attends, cool. Ah, mais est-ce que je peux te les envoyer? T'inquiète. Oh putain, ça me fait penser que je vais pouvoir enlever. Allez hop, on dégage. Carole 2 là. Ça fait 30. Non, Michael le premier, pardon. Donc Carole 2 dégage et Michael premier vient. 30. Sauf qu'il en a genre 400. 500. Tu peux accepter ça le japonais, s'il te plaît? Le gros couche. Allez, on améliore Thierry. Let's go. Il parle pas du tout, bien sûr. Quoi? Je peux faire un. What? Ah, mais d'accord! Ah, j'ai gagné autant de fascisme d'un coup? Oh, bah, du coup, je suis fasciste. Hein. Let's go. Bah, du coup, ça. Voilà. C'est qui voulait des armes? Le Japon. Je t'envoie ça. Le Manchuko si tu veux. Vous en voulez combien? Pourquoi je peux pas envoyer de l'anglise? Mais c'est une blague, putain, je suis fasciste, je peux pas envoyer de l'anglise. C'est une blague? C'est incroyable. Mec, je peux request. Mais non, mais il me faut 40%, mais c'est une blague, je suis fasciste. Putain. Bah du coup je peux rien envoyer, désolé. Faut 40% de tension mondiale pour que je puisse envoyer. Alors que je suis fasciste. Cherche pas à savoir. C'est parce que t'as genre. T'as pas de politique neutre, non? Bah non, je l'ai enlevé. Je l'ai plus. Non. Allô? C'est quoi? C'est de l'arnaque? C'est un peu de l'arnaque, oui, effectivement. Je me sens un peu outré là, tu vois. Oui. Bah du coup je vais envoyer un attaché quoi. Pour un paradoxe. Pour me consoler un peu. Est-ce que tu penses qu'ils en ont quelque chose à foutre? Bien sûr que non. Oh wow, putain. Putain les divs qui tombent à flot. Et Jingnong qui tombe. Ouais, j'ai récupéré la. Tu devrais faire une invasion navale hein, de Jing ou quelque part comme ça. Ouais, je pourrais en. Promise of peace. Bon, déjà à 80% c'est bien. Si on prend le démagogue. Ah bah j'ai pris le démagogue. Du coup ça va augmenter la stabilité automatiquement. Donc ça c'est cool. Il y a eu combien de morts dans la guerre? Pouah, 500k. Un demi-million. C'est pas beaucoup en vrai, un demi-million pour les. Non, disons que tu peux arriver jusqu'à 5 millions.
Même plus, hein, 600 en... Et ça dégage ça arrive même plus haut. Au moins il a l'air... D'accord, super. Ah d'accord, ça y est, je peux envoyer un landlise. Vous en vouliez combien des armes? Je vais avoir beaucoup plus d'alu bientôt. Hein, là. Moi de toute façon j'ai les chars... Manchu, tu veux combien d'armes? Du coup je vais prendre mon alu. Fais-moi genre 1000 par mois, ça va? Ouais, 1000 par mois, c'est un peu abusé. Ok, ok, 200, ça va. T'as mis tous les trucs ici? J'ai pas de fighter, donc ça va être un peu compliqué. C'est 1000 par mois, il faut que je garde mes réserves quand même. Non, pas tous, puisque t'es encore sur le front. Ouais, mais au nord, j'attaque plus. Sauf que j'en produis pas beaucoup par jour, donc... Ouais, mais j'en ai encore là. Parce que je produis masse artillerie pour l'instant. Là, on va pouvoir diminuer. On est un peu plus de motorisé. Parce qu'on est à 3,34, on a pas mal de réserves. Bon, on a notre template qui est bon. Je vérifie tous les templates. J'ai pas de fighter en fait. On va mettre ça à 10. Sinon, j'ai pas la supériorité aérienne. Tac. Ok, ok. Adrox. Ouais. Ok. Tu peux filer 4 usines en plus, s'il te plaît. J'ai avoir beaucoup plus d'alu. Attends 2 secondes. Je prends une province et j'ai toute l'alu. Et fais la fête! Pardon, excusez-moi. Tu peux me trade back. Pardon. Le roumain, tu peux me trade back 4 usines, s'il te plaît? Qui c'est qui demande? Attends, tu sais ce qu'on va faire, annexe. Qui demande? Le Manchuko. Yes. Regarde, j'ai beaucoup plus d'alu là, finalement. Ouais. 4 usines en plus, s'il te plaît. En tout, t'en prends combien? Alors, en tout, je t'en prends. Attends. 13 en tout. Ok, là je suis à 10, faut que j'en prenne 3 de plus alors. Voilà, c'est bon. Je peux déclarer sur la Grèce du coup. Ouais. Je suppose. Demande à Genesis. Ah ouais, c'est bon, il peut. Vu qu'il a pris la Yugo, c'est bon, il peut. Par contre, le nombre d'avions qu'ils auront, les alliés. Oh, je regarde Canada. Non, mais regarde surtout les USA qui ont 55 usines. Ah, bah c'est comme le Vanilla là, hein. Donc au niveau des focus. Hein. Ça va être galère au niveau chasseur. Bah voilà. Est-ce que tu peux me donner le contrôle directement d'une ville? Après, les US, c'est des P-40 hein, qui produisent, donc c'est pas... Ah, tu veux prendre les territoires? Non, c'est juste parce qu'en fait, il me faut un truc pour un focus. Bah, le truc, c'est que je suis en train... Une usine. Je peux non, il me faut donc. Beijing. Ah, Beijing. Beijing, allez. C'est genre Pékin, mais version... Je vais pas te le donner. Ah, parce que je comprends bon, pas. Bah, oh, plus tard. Et tu veux pas lui donner un contrôle? J'ai pas en entier. Enfin, je sais pas, je peux rien donner en fait. Ah, c'est bizarre. En fait, faut que je trouve avec des volontaires directement. Tal. Bon, du coup, ça me sert à rien. On a encore un x100. Oh putain, j'aurais dû le. Ah putain, je suis débile, j'aurais dû faire sur ça. Putain. Du coup, j'ai le droit de peuper de la Grèce ou pas? Il fait que maintenant les grandes pleurs. Bah tu fais ce que tu veux sur la Grèce. Ah oui, les grandes pleurs, j'entends. Ah ouais. Après, la Grèce, elle a pas grand chose en focus intéressant. Hein. Elle est déjà en. Ouais, mais elle a des divisions, etc. C'est là l'intérêt. Tu vois, on aura pas des masses quoi. J'ai du pétrole l'allemand, hein, si tu veux, tu peux prendre. Expert. Attends, vas-y. L'allemand, tu peux me trade back une usine, s'il te plaît? Quoi? J'ai peur. Ça a bugué. Trade back une usine à la Roumanie, l'allemand, s'il te plaît. Alors, c'est du pétrole encore? Ah, oui. Ils font du caoutchouc là, c'est le roumain.
Ouais, j'en ai besoin pour mes motorisés. Caoutchouc. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, je vais cancériser avec mes motos donc. Ah, parce que du coup, ouais, bah, du coup, tu peux enlever une usine. Là. Les voleurs de cuivre vont. Vont envahir l'URSS. Je crois que c'est CTRL-ALT ou switch sur Shift. Juste. Tu veux un bout de la Tchécoslovaquie, le long. Ah, on a toujours. Plus d'usines, ça fait toujours. Plus d'usines, plus de casse, hein. Ah, super. C'est pas parti, là je produis à fond. C'est bon, j'ai le casse de 40. Je fonce sur le casse de 44. Ah, on en a 150. Comment je vais pouvoir. On va commencer à faire les trucs. Je pense pas que ça peut pas être quoi. On continue nos doctrines, parfait. 180 jours, c'est un peu beaucoup. Non, je fais sur les focus, je fais pas. Si, faut que je fasse le focus tout le temps. Là. On va faire les special forces. Dès que j'apprends rien à faire, je fais ça. On a 30 en réserve. On va commencer à considérer final, je pense. Agrarian Reform. T'as une. Enfin, attention, t'as une unité qui s'est fait prendre au sandwich. On va aller prendre les 7% ici. Yes. Yes. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, vu qu'on a 32 ici, qu'on a plus besoin, on va faire. Dracula au Marineland. C'est du matériel d'infanterie qui me manque. On va en faire 8, ça me paraît bien. Et ça, on dégage. Ça va me faire gagner les armes. Donc, vu que. Hop, ça. Tac. Tac. On repasse sur ça. On est largement bien. On pourrait même sortir un moto, je pense. Un ou deux, même. Facile. C'est quoi? C'est des voleurs de cuivre. Alors on peut en sortir deux. C'est déjà pas mal. Avec les armes. Là, c'est dur, il faut qu'on produise plus d'armes. Là, on fait les. Yes. Il n'y a pas d'usine ici. Il y a une usine militaire. Ah, ça me fait chier de perdre une usine militaire par contre. Pardon, excusez-moi. Sorti tout seul. On va faire l'excavation. Non, non, pas l'excavation, on fait ça en premier. Faut que je construise. Je suis débile, je les ai pas construits. Putain, mais j'en pompe du pétrole. Hein, mais en vrai, ça va pas être utile parce qu'on va pas utiliser trop le pétrole, donc c'est débile de faire ça. On va plutôt faire l'excavation. Ah, le Nightbot qui fait des siennes. Il a percé des Chinois. Ah, pas du tout. Ils ont rien percé. Je pensais. Ah, c'est les Japonais qui percent. Oh non, on commence à avoir de la varicelle. En français, Genesis ? Il y a de la varicelle au Japon, là. Quoi ? Qu'est-ce qu'on. Bah, regardez, il y a des points oranges en plein milieu, là. Oui, c'est vrai, c'est dégueulasse. Je comprends même pas, pourtant j'ai aucune unité. C'est ça le problème. Mais c'est parce que c'est corps, du coup, ça peut. Parce que t'as les corps dessus. Le jeu en mode qui c'est le jeu en mode. Ah non mais c'est à toi, mais en fait, non, mais. Je suis directement allié avec l'axe maintenant. Hop. Bravo à toi. Tu es désormais. Félicitations, tu fais partie de la grande faction Axe. Jedi. C'est genre un Jedi, mais un peu avant. C'est ça. Zaskun Jedi. C'est SS Dice, tu veux. SS Dice. C'est génial. Ah, du coup, on va tout mettre là pour l'instant, puis on verra après. C'est la fête chez mes voisins. Ouh. Oh putain, tout le coup. Le tungstène, ça coûte cher, hein. Ouais. Allez, hop. Réserve division plus 7%. Vous importez à qui la Portugal? Ça, ça dégage, c'est quoi ça? Ça les Gord Division, ouais, bon, c'est la même chose que ça, quoi. C'est la même chose que Ajam Pouche Bébé, mais en moins bien. T'as plus rien. C'est. Ah, mais t'as tout pris.
Fais plus usine, plus usine, plus usine. On construit plus usine. Et c'est bon, c'est la percée. Plus fort. Bon, on va voir la graisse. Vous faire XP pour nous, ça va être bien. Je farme un petit peu. Pourquoi là. Moi prendre l'accent russe alors que moi roumain? Putain. Je m'exaspère parfois. 1 million, d'accord, 1 million 200 000. Mais nous on a combien? Je crois que t'as genre 50 000. J'ai 30. 48 000. T'as 30 normalement, tu vois. 30 pélos. 1200 jours! Ouais, let's go hein. Non, les avions, je crois que c'est directement même pas en fait. Let's go plus produire plus de matos. Plusieurs morts comme ça et qu'une n'importe quoi. Ah, on est passé déjà à 900, on a gagné 300 jours là. Allez, on produit des usines. Allez, 99% montagnard bordel. C'est là, on a combien qui peuvent sortir au total? 1 2 3 4 et un cinquième qui sera j'espère c'est le russe qui donne toutes leurs armes. Est-ce qu'on a les trucs pour les putes? Du coup ils se font max XP hein. Ah, ils se plaisent. Les forces spéciales on a rien. On a rien pour les forces spéciales, c'est fou ça. Et c'est bientôt la guerre. Ah si, on a un truc pour les montagnards. Waouh! C'est un détail comme un autre. Genre, inutile quoi. C'est un détail de l'histoire. Ils ont quoi? Ils m'ont dit qu'ils ont 300 combats les Anglais. C'est bon, faut que ça arrête de faire des oula, clics. Qui vient de me niquer là le trade avec l'Allemagne en robber? Ah, arrêtez, pas moi, celui qui vient de prendre du c'est pas caoutchouc moi. De l'Allemagne. C'est le Japon ça. Le Japon arrête de prendre du caoutchouc de l'Allemagne. Je le prenais de base le truc caoutchouc. Hein. Ouais, ah bon, mais pas. Non. Il y a un casse-couille qui a dû prendre en plus. C'est con. Bah, il y a Japon, Italie, Hongrie et moi. Ouais, mais au début, moi j'avais genre 16. Attends, la Roumanie, pourquoi tu prends du Roumanie? Je fais quelques motorisés. Motorized, c'est pas. Ce qui fait quoi? Je fais quelques motorized! Ouais, mais prends-le au Dutch East Indies ou à d'autres gens. Le prends pas parce que moi je fais de. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre. Je vais la prendre à la Belgique de toute façon. Non, voilà, c'est mieux si je fais comme ça. Tac, pas de trace. Bon, t'en annexé la graisse. Voilà. Ça, c'est une belle Italie, ça. Comment ça? Quoi? Et ça, c'est une belle Italie. Non, je vais pas annexer toute l'Afrique encore. Il manque l'Albanie aussi, fait un petit. Je peux filer tous vides en plus, s'il te plaît. Tu peux me prendre du pétrole si tu veux. Ouais, ce que j'ai fait. Il y a du pétrole lui? Pétrole est où? Ah oui, il y a du pétrole ici, effectivement. Putain, il s'amuse, hein. Ouh. Je comprends pas pourquoi ils envoient du fuel les soviets. Pourquoi ils envoient du pétrole à la Chine quoi? À la place d'envoyer une arme, ils envoyaient un peu de pétrole. Mais ça sert à rien. Bah si, ça fait qu'il y a toujours ils reçoivent toujours l'expérience due aux fusils qu'ils envoient. Ah bon? C'était beau, d'accord, okay. C'était très français. Ouf, j'ai mal. Sur ce mode, tu peux passer en total mob ou pas, Santo? Si les règles interdisent pas, oui. Mais normalement, les règles interdisent. Ouais. Bah moi, je peux plus. Normalement, tu peux. Hein. Je l'ai pas interdit, hein, de toute façon. Ah, voilà, moi, tu peux. Ok. C'est moi, tu perds du territoire, le japonais. Où ça? Oh, dans le sud. Oh, t'as encerclé la capitale. Sérieux, non, deux... attends, sérieux, Zach. Attends, je vais les bah, attaque. Ouais, attaque. Mais tout de suite, le cheat, tout de suite. Non, mais c'est sûr, il est attaqué, mec. Cette communauté. Je range le Pontaire à 500 jours ou pas? Moi, je vais me trade back une deuxième unité. Je crois que ça. T'avais pas le droit, non? Sachant que les chars font du charlot, les Russes font du charlot.
Une écharpe pour les chars. Des chars lourds. Yes. Je le savais. Je savais qu'ils arrivaient à faire des bébés entre eux. Et attendez, les chars. Et t'as pas 2x100 toi, normalement? L'observation, ouais. Pas mon propre. Bah, du coup, on va rechercher le. Mais t'as pas pris tes, bonus dessus? Si. Non. T'as pris tes bonus, dessus? Sur quoi? Sur les chars. Ah ouais. Ok, ok. Vas-y, t'as rushé le panthère. Ah, il faut que j'apporte du. Alors, Outlook. Panzer 4, hop. Alors, on a. Panthère 500 jours, ça fait mars. Armée offense, armée défense. On va passer en limité, je pense. Quelle belle invention, le panthère. Ok, on va prendre les commandos. Moi, je vais pas rejoindre tout de suite, hein, la guerre, je te préviens. Ouais. Enfin, moi, je vais rejoindre la France. Faut que je rejoigne tout de suite pour, bah, pour faire les avions. Oui, ouais. Oui, toi, oui, toi. Hein. Toi, c'est non négociable. Sinon, l'Allemagne sans avion, c'est un peu triste. Tu m'étonnes. Bon, la France a une industrie de merde, ça. L'anglais aussi. L'américain, le japonais, si tu fais de Dockyard, tu devrais être bon. L'américain fait pas de Dockyard. Bon, l'américain, par contre, a énormément de militaires. Hein. Hippie, il a rodé ses États-Unis, il les connaît bien. Non, mais le problème, c'est. Non, faut... Enfin, je pense pas qu'il existe. Non. Il fait. Des avions, non? Je sais pas quel méta il fait, mais c'est pas la bonne. Là, il part sur. Il part des prods d'avions, là. Hein. Ouais, il... Oui, largement. Hein. Ils ont envoyé 4000, 3000, 4000 avions. Bonjour, bonjour. Oui. On peut lancer les tanks 3. J'en sais rien, normalement, c'est limité. Donc, tu vois en fonction de. Non, c'est limité par les règles du truc, mais je sais pas. Là, je peux cliquer dessus quoi. Bah, ça veut dire que si tu cliques dessus, normalement ça devrait pouvoir les. Parce que depuis 38, tu peux cliquer dessus. Hein. C'est bizarre. Après, tu peut-être pas. Après, peut-être que tu peux les faire, mais que tu peux pas les produire avant une certaine date. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Ok, d'accord. Je t'avoue que j'ai pas testé les trucs. Mais vas-y, tu peux envoyer, tu peux lancer, hein, je pense. D'accord. C'est qui a venu demander ça? Les Russes. Oh, les Russes. Qui est... Ah donc il veut le rechercher le King Tiger, c'est ça? Ouais, le char 3, char lourd 3. Ah bah écoute, du coup, on va bah, devoir... Du coup, fais le tien, fais le tien aussi. Bon, dans un an, on a les... Dans un an, on a le cast 44. C'est bien, intégrer toi à économie? Bah c'est pas mal, mais ça nerf le... tes puppets, quoi. C'est où ça? Bah c'est la revue des militaires, non? Ça me rend par contre pas bête. C'est où ça? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah c'est leur... Je sais pas, ça leur ajoute 8 usines ouais, militaires. Ouais, tu devrais le faire. Ouais, bah, par contre, après nous on se transforme en pupette. Ouais, mais on devient des pupettes quoi, c'est un peu casse-couille. Si on va surtout perdre des usines, en... des usines civiles millions, et militaires en fait. C'est 2 millions, hein. C'est bon, 2 millions c'est... Ouais, normalement, c'est... Non, vous me dites, normalement ça va pas vous niquer. De toute façon, les ressources, j'importe d'italien vu qu'on doit faire du trade. Non, bon, plus attends, moi je gagne combien d'usines? 4 militaires. Ça va, c'est bien ça pour la. Tu m'en gagnes combien d'usines? J'ai hâte d'avoir toutes ces usines. Ah, vite quand même. T'as combien d'usines sur les chasseurs? J'étais à 75, mais je suis descendu à 25. Okay. Ok, ouais, moi j'ai à peu près que 30, 35 je crois. Le Germain, Bah, j'ai pas beaucoup d'usines hein, non plus. L'allemand? Ouais. Tu peux me trade back une usine s'il te plaît? Ouais, c'est bloqué. Le Manchuko. Ah, il me manque quelques-uns. Ouais, maintenant. Non, lui trade pas. Lui trade mais aussi, pas. Il prend du pétrole. T'es trop bon. Moi j'ai 5 Marines qui sont sortis là, déjà. Ouais, je te prends du fer. J'aurai 6 Marines pour la guerre, hein, les gars. C'est bon pour l'attention, je crois, déclarer la guerre au Portugal sans problème. Ouais, vas-y. Voilà, là en même temps, on est pas loin de la guerre de toute façon. Donc. Attention, on va les entraîner. Ouais, je vais essayer. Sans toi, une question. Oui. La décision avec le Japon pour annexer les Warlords, ça annexe tout, ça donne au Manchu ou... Non, ça annexe tout pour toi, donc c'est pour ça que je la fais pas, parce que sinon... sinon, le Manchu, il aura pas les ressources, quoi. Je mets Army oui, c'est pas faux. Ou Army Manoeuvre. Belle là-bas. Est-ce que j'ai même plus d'attaque ou plus de... J'ai déjà vite non avec ces chars. J'ai Blitzkrieg qui me donne 10%, ça me fera 30. Oh, allez, on va aller vite. On va prendre manœuvre. Je vais déplacer un peu de casse sur proche du front.
On continue à prod. On a combien d'usines militaires? On prend 4. Il est en 2 si quelqu'un veut prendre la. C'est bon. C'est pas trop utile ça. Dans combien de temps je finis mon. Ah, mais bientôt on va pouvoir lancer d'autres constructions. Ouais, je crois. Ouais. Merci Loco, c'est bienvenu. Merci à toi. Tu faut que je la baisse cette. Je vais lancer la prod. Merci. Faut que je la baisse absolument cette. Non, attends, je vais te la voler un 10. Alors attends. Cette truc. 18, t'as dit ? Ouais. Mutinide plus 2. Est-ce que j'ai d'autres trucs à prendre ? Oui, on va prendre le plus 10 ici avant. Après, en soi, le reste, on s'en fiche parce qu'on n'en produit pas. Ah, il faudrait qu'on passe en War Economy avant. On va passer en War Economy et après, on prendra le plus 10 ici. Ok. On se met ça dans la tête. Faudrait que je fasse aussi le traité avec l'Allemagne et les trucs ici. On est encore là, 26, ok. On a combien de. J'ai. Comment il s'appelle ? Ok, on a pas mal de subs. Je peux les améliorer ceux-là ? Bah, let's go les améliorer. Hein. Tu m'as donné tellement de trucs que. Ah. Tu m'as donné tellement de trucs le japonais que j'ai même pas assez de. Je vais diminuer mes importations un peu, pour faire plus vite. Essayer d'avoir un peu d'usine en plus. On va faire beaucoup de raffinerie ou pas avec ce truc? Ça dépend. J'ai fait du moyen, donc t'es pas obligé d'en faire des dizaines de milliers. Bien d'en avoir un peu. Attends, on est arrivé à un point où j'ai plus de place pour un des. Putain, les Russes ont pas fait les antières. Hein. Ils ont pas amélioré leurs antières, les Russes. Ou pas. Attends, ils sont partis sur l'artillerie, les Russes. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les Russes ils ont l'artillerie 2. 25 raffineries, ça suffit? Ça devrait suffire, je pense. Ouais, je vais faire ça. Ils sont forts, c'est après, j'ai pas la science infuse, hein, parce que je veux pas la mettre tout le temps. Mais... Moi, je connais pas du tout le mode. On est allemand, faudrait que je me trade back deux usines en plus. C'est bizarre. Après, je t'avoue que je connais pas extrêmement bien le pilier de soviétique, mais il me semble qu'on fait pas d'artillerie avec les. Bon, je dois dire que tu. Déjà, je vois qu'il n'y a pas les techniques de raffinage, tu vois, donc il m'a fait déjà 10 000. C'est vrai que je vois que l'Allemagne, il y a pas de. Mais en fait, dans les techniques de raffinage, je crois que quand tu fais le truc, ça te donne les deux en même temps. Hein. Ouais, c'est ouais, ça. En fait, ça. Ils ont fusionné tout, en fait, dans le même truc. On les fera peut-être. Là, prochain focus qu'on fait, c'est ça, pour avoir les 2x100 sur la technologie d'excavation. Ça, on aura... Après... Donc, tu me fileras des chars ou pas? Ah, j'ai pas le choix! Ah, d'accord, je suis obligé d'être pupette. Oh, bah, triste. Accepte, c'est... Ah, tu changes de couleur, en plus. Tu es un pupette, tu peux fort trade avec l'allemand. C'est hyper fort. Ah, j'ai perdu tous mes trades! Ah, rip! Ah, en plus pour une usine. Oh, refais-les, c'est hyper fort ce qu'il a fait. Ouais, en plus pour une usine, je gagne le double de. Non, tu sais, ça me. Putain, j'en avais 2 à l'Italie. 16 pour une. Du coup, je vous prenez à moi? Ouais. Bon, je pense que c'est pas mal, hein. Si on prend à toi, ça donne des bonus? Ah oui! D'accord. Du coup, faut que tu me trade back 2. Finalement. Ouais. Ah, une pour moi, du coup. Oh non, en vrai, c'est pas mal. Ça va pas marcher parce qu'il peut trade tout vos ressources pour une usine. Ah bah oui. Ah merde. Attends, mais j'agate. Attends. Kingdom Fingery. Ah ouais, je veux pas prendre en mieux. C'est pas. Prends toutes leurs ressources. Tiens, comme ça, je produis aussi des chasseurs. Bof, hein, tu prends toutes les ressources. Alors, qu'est-ce qui me donne ce jeu?
Tungsten, déjà, pour mon qu'est-ce qu'il va prendre. Putain, j'ai perdu un dockyard. What? Bah, parce qu'il a pris ça. Non, t'as pas un, peut-être un navire qui s'est. Ah ouais, Best Arby. Ah merde, c'est vrai, ouais. Là, c'est pour ça. Toi, t'es repère là, cette division. Dracula à Maryland. Dracula en croisière, ma flotte s'appelle. Ah, mais du coup, le. Tac. Voilà. Du coup, hop, on va faire ça. Putain, je vais pas faire de ceux qu'on était déjà en guerre en fait. Donc. Du coup, si t'as besoin, je peux utiliser des Marines, hein. J'en ai 6. Ouais. Je pense que tu feras la Norvège. Norvège, ok. Je vais les monter au nord. Tu peux me filer 2 usines en plus, l'allemand. Je dois avouer que je sais plus vraiment où tu fais les usines. Normalement, c'est juste. Putain, je te prends 13 usines pour rien, quoi. Ouais, mais c'est bien, je te donne les usines derrière. C'est bien, c'est sûr que pour toi c'est bien. Ça me permet d'avoir l'air. C'est vu que le Japon attaque la Chine depuis la révolution contre l'empereur. Le Chine en Chine a explosé en plein détail, je vois pas le problème. Comment tu t'en mets encore là? Ouais, j'ai vu. Faut mettre les avions là ou là. Sauf qu'ils s'allient tous. Ouais, mais c'est des alliances de circonstances. Après, si la Chine gagne, après ils se retapent dessus. Faisais la situation. Ça se passe bien. à 1976. Putain, t'avais de la patience. Hein. Percé jusqu'à Tion. Ce genre de truc, j'ai pas de patience moi. La grande percée japonaise. C'est très drôle en plus. Le grand phallus s'étend. Parce que là, c'est clairement ça là, on a l'impression de voir un remake de la des pays de du nord là qui est en train de se former. Super génial. OK boomer comme disent les jeunes. OK boomer. C'est quoi le meilleur bonus pour les trucs, c'est les special forces en défense orga ou le breakthrough? Le Manchu, ce front, tu le tiens? Enfin, de là. Aucune idée. Parce que j'ai un truc qui me donne 5% de défense et 5 d'orga sur les Special Forces. Et un autre qui me donne 15% de breakthrough. C'est qui de la percée sur les. Je prendrais l'orga, mais. En vrai, je regarde, il est là, percée sur mes Marines. Ils ont 116. Donc plus 15%. En vrai, c'est plus intéressant la défense et l'orga, je pense. Putain, je suis en train de perdre contre le Portugal, les gars. Ça faisait vraiment nul. C'est sérieux? Ouais. Oh, tu peux perdre. T'as besoin de volontaires? C'est une blague. C'est quoi? Je tiens volontaire aérien. C'est... Ah ouais, t'as 0, d'accord. Bon, avec la gare, elle commence à passer en 50%. Bon, et voilà comment l'espagnol perdu contre l'impérialisme. Bon, je suis en train de faire mal. Le Portugal finit par réunir l'Ibérie. Ah oui, en fait, ça c'est l'excuse. Tu sais que tout ira bien parce que j'ai une décision à faire. Ah ouais, parce qu'il est à plus de 1% de capituler ou je sais pas combien, 10 là. Non, quoi qu'il arrive, je peux le faire capituler avec une décision. Oh, c'est l'arnaque, je peux pas rechercher le Panthère encore en fait. Ah, je suis niqué. Ah bah oui, parce que c'est le truc de 41 ou 43, je sais pas combien. J'ai pas leader dans pas longtemps. Mais ça, c'est à cause des petits Aux, tu vois, que t'es obligé de faire des trucs comme ça que le Portugal. Qui arrive. Non, c'est plutôt à cause des petits Aux, en fait, qui n'arrivent pas à tenir une case. Quoi? Ok. Bon, ça va, tu l'as gagné ta guerre, là. Heureusement qu'il y a 100 taux derrière. Ah, on parle de qui? Le problème, c'est pas de la gagner. Et ça va, le Roumain, niveau ici? Est-ce que toi, ça va? Hein? Oui, ça va très largement, pourquoi?
Ouais, j'avoue, comment ça se fait que le... Je sais pas pourquoi j'en ai plus que toi. Parce que t'as récupéré toute la Slovaquie, peut-être. Mais tu sais que moi, en plus de ça, j'ai pas construit en Bessarabie, moi. Pourquoi? Bah, c'est débile de construire en Bessarabie. J'ai pas donné des usines en plus aux Russes pendant 2 ans. Ah non, pas oui, bah, aux arbitres, c'est trop simple. En fait, il est puissant, là, on voit. Hop, et là, j'appelle la fin de la guerre. Tac. Ah, en fait, du coup, ça veut dire celui-là. Tac. Voilà, on est en train. J'ai pas besoin de volontaires, stop. Tu veux me trade back 2 usines alors? La Roumanie, tu peux me trade back 6 usines, s'il te plaît. 6? Oui, putain. J'ai pris beaucoup de pétrole puisque t'avais coupé la fois d'avant. Et j'ai vu que j'avais plus de pétrole. 6. D'ailleurs, là, non, faut que tu me donnes tes avions. Bah, avec Shanghai, en fait, je peux pas t'entendre les Shanghai. Ouais, oui, ça, je sais. C'est pas ton peut-être. Morgan! Ah, y'a pas de si. Oh putain, on va attendre vite, c'est maintenant, puis on va attendre un mois avant de déclarer la guerre, du coup. Mais c'est qui le gros débile qui prend encore le caoutchouc de l'Allemand au chômage? C'est pas moi. Il me semble caoutchouc. Fuck the caoutchouc. Oh non, j'ai pas les techs de débarquement. Non mais qui prend le caoutchouc de l'Allemand? Stop. Bordel. C'est comme ça, je me casse. J'ai pas la tech de débarquement. Tu peux voir qui te le prend, hein. Putain, là c'est bon, voilà. Va sur tes roues et non, tu mets ton truc sur le petit 2 et tu vois qui te la peau. Je me hais, les amis, je me hais. L'après. Ah, heureusement que j'en ai une qui se finit vite. Je suis innocent, je vous promets. Ah, il faut 50 jours. Combien ils sont de surem de les. Un leader, j'ai tellement envie de faire la décision. Pourquoi tu la fais pas en fait? Tu pex? Ouais, mais tu perds, tu t'auras pas les trucs en fait, toi. Quelle erreur! Je t'ai tout envoyé. Erreur du joueur français! Ah bon, en moins du tout. Oh, t'as plus toute la. Les points. Ouais, la guerre d'hiver, c'est devenu la guerre d'été. Avant. Mais ça, tu t'en fous, de toute façon, je te rabaisse pas. Tu prends carrément. C'est la guerre d'automne quoi. Tu prends un annexe. Mec, prends un annexé en une fois en mode. Fini. Ouais, mais je l'interdis si le pays jouait. Tu vois, les white pieces d'annexion, j'adore. Attends. T'as pris tous ces trucs ou. Ah non, Alors, on prend ça. Ah, t'as pas pris les colonies, d'accord. Si tu prends juste le mainland. On a Panzer Leader maintenant, tac tac tac, on passe au char. What, t'as fait 50% de tension mondiale? Ah oui, 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 c'est violent. The fuck. Il a lui seul. Bah, techniquement, je suis censé le faire quand je suis en guerre, mais bon, vu que moi. Mais je savais pas que ça donnait 50% moi. C'est des terres. Ah, du coup, on peut prendre le Tuxten chez l'Espagnol maintenant. Bah, attends, on va lui prendre ça au lieu de prendre. Ça, ça va plaire du coup à l'Allemand. Vous êtes prêts pour la guerre? Let's go! Ouais, je suis prêt. Avant quoi que j'ai pas encore les avions. Pas grave, quoi. Comme ça. De toute façon, ils ont pas d'avion, c'est bon, j'ai mis des casses. Après, on faut du. Oh, il faut du. Ah, il faut du pétre, voilà. Il faut du fuel. C'est la guerre là? Ouais. Le monde est prêt, en guerre. Achète tout hongrois pour le pétrole. Hein. Au moins il y a. Ouais. Exact. Ah, il t'attaque déjà en France? Non, c'est moi qui attaque. Ouais, mais. Non, mais ce que je veux dire, mais. C'est toi, Winak. T'as accepté moi dans la faction, je rejoins. Ça va le Japon en fait? Pourquoi d'un coup je viens de perdre 100 de fer là? Je sais pas. Parce que. Bombardement, je sais pas. Bon. Désolé, le monde. Ah, c'est vrai qu'il y a le.
Le temps commence à passer et j'ai... Dans 3 jours j'aurai tes avions, hein, là, pour ça j'ai aucun... Comment ça se fait que je peux importer sans... Non. Ah mais la France est pas dans la guerre, d'accord. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas... Désolé, j'étais... Le temps passait trop. Mais quel con. What? Il a fait la décision. Ah, pourquoi t'as le Cam... Pourquoi t'as le Cambodge? Pute maintenant, super. Pourquoi t'as le Cambodge? Bah j'ai annexé le Siam. Bah, mais... Le Siam avait le Cambodge? Oui. C'est bon, les chasseurs sont arrivés. Ouais, la logique est partie en vacances. Mais là, super rien, tu l'as fait. Des trucs, le Japon? Je pense pas que je peux rien te donner, je pense. Au-dessus de la... Oh, c'est triste, lui, il s'est fait enculer, le... Le Choupo, ouais, il s'est fait enculer. Je vais du casse aussi. Ouais, si tu peux... Enfin, regarde, en France, je sais pas exactement ce qu'il y a en France. En France, pour l'instant, il y a aucun avion. Merci, mon cher japonais. Désolé. Il en avait marre, du coup il a fait annexion. Non mais mec, tu triches ton team, c'est encore... Ils ont le droit d'envoyer des fighters. Ils ont le droit d'envoyer des fighters avant la tombée de la... Je pense pas, mais bon. C'est-à-dire? Eh ben tu vas t'occuper de tout ça. Des fighters au Canada avant que la France soit... Bah on l'a fait dans les games où il y avait Sega et tout, donc Moi j'ai fait un... Sega qui... Ouais non mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours autorisé ce genre de choses. C'est parce que c'est les règles de Horst. Si vous voulez pas. Parce que rien d'autre. Ah bon, c'est les règles de Horst? Non, Horst, t'as pas le droit d'envoyer tes avions. T'as mis du casse en dessous de la France ou pas? L'américain, ouais. 400. Ok, alors attends. Mais tantôt, y'a moyen que tu me traites back 13 usines. Alors, ça va être la guerre. Disons qu'on va être on est en guerre, donc du coup, malheureusement, on retraite back. On part un peu en vacances quoi. Hein. Après, je vais prendre la Belgique, tout ça, donc c'est rien. Niveau pétrole, c'est un peu short. Bon, pour l'instant, j'ai encore 200 jours. Il a encore ses forts, hein, t'es sûr? Tu fais le Fortress Buster? Allo? Grève? Ouais. Oh, j'ai des grèves, allo? T'as stab? Non, ton war support? Non, t'as stab, t'es en dessous de 50%. C'est quoi le but? Faire ça? Du coup, je peux même pas monter ma stab. Je suis à 113. Merci, merci, c'est sympa. Yes. Je suis... Alors, on va faire des algèmes pour le bébé. Toi qui attaques sur Maginot là, Adron? Ouais. C'est ça ton attaque sur Maginot? Ça va très bien. T'attaques avec des chars? Ouais. Il y a un char lourd, attention. Mais que des chars, que des chars. Il a pas mis son infanterie. Ouais, attaque sur la... Ouais, pourquoi t'attaques pas sur la plaine? Pourquoi t'attaques sur la colline et pas sur la plaine? Putain, je suis con, j'ai cru que c'était une putain de plaine ça. J'ai pas cliqué sur la case. Ça ressemble à une plaine. Mais tu sais, j'ai juste regardé, je me suis dit c'est bon, c'est une plaine. Ça sent tout. C'est qu'en vrai, si tu mets ton infanterie en soutien, ça peut peut-être. Non, il a l'air d'être. Il galère, hein. Il galère en vrai en défense. Il me faut des landistes. Ses forts sont morts en plus. Il me faut des landistes de carburant. Dans 50 jours, j'ai plus d'avion. Hein. Bon, un niveau pétrole, je tiens. Et ça, ça veut pas aller. Je suis en train de pleurer intérieurement. S'il vous plaît, le roumain, t'as pas du pétrole en rap? Ah, du... le hongrois! On voit tout le pétrole. Ah ouais, désolé, j'ai oublié. Start landis. Mon cul a mal. 1%. 95. Ah, il me faut des landis. Les alliés demandent si vous pouvez mettre en vitesse 3, s'il vous plaît. Ah oui, j'avoue. C'est bon, fait. c'est bon. Les alliés demandent vitesse 3. Elle est à 1100 chasseurs. Bon, mais je suis prêt pour la Norvège en tout cas. Ah, merci le Romain. Oh, ouais. Sauve. Je t'ai envoyé caractère avec 15% de production roumaine. Ah, sauf que même avec ça, non, ça remplit pas mes réserves. C'est ça, là. Bah, je vais t'envoyer ce que j'ai en. Ouais, mais je peux pas, en fait. Je peux pas envoyer les deux. 95%. Ça suffit pas? Non. Contre la Finlande, il galère contre la Finlande.
Attends, est-ce que je peux pas t'envoyer en daily? Je veux pas trade. Non, il est en train de farm son généraux. Enfin... Bon, attends, je vais enlever quelques chasseurs parce que là c'est un peu en surplus. Voilà. C'est bon. Un communiste, un type communiste sur le Casorange. Plus que 600 dragons, quoi. Plus de casse. Non, plus de chasseurs. Hein. Ah, ça va être compliqué dans le sens où t'as pas fait d'aviation, du coup il peut pas mettre beaucoup d'avions en vrai. Bah, en fait, j'ai pas assez d'aérodromes. C'est ça, t'as pas fait les aérodromes, donc c'est limité pour lui. Maginot, t'es censé la passer sans avion. Je sais pas, il y a combien de tifs sur Maginot? L'allemand, pourquoi tu prends tout mon aluminium? Je suis assez. Du coup, je suis combien de tifs sur la casse que t'attaques? 6. 6. Ah, laisse tomber, attaque la PJ. En vrai, il peut passer, hein. En vrai, il peut passer, je pense. Hein. Il est pas passé. Non, il va renforcer. Hein. Ok, attends. Ah, attends, il y a son char qui va dégager là. Ça peut passer, hein. Ouais, l'intérêt, derrière, il va sortir sur Nancy et vous allez prendre une casse. Non, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Il y a si il renforce pas, c'est bon. Sinon. Mais en fait, le truc, c'est que là, tu pourrais même limite l'attaquer ici, je pense, hein, vu qu'il est en train de dégager toute son infanterie pour renforcer la haute attaque. J'ai le cancer sans toi. Tu veux pas faire de la force attaque, je pense que ça passerait. Avec des chars. Mais en fait, si t'attaques sur les autres, sur une l'autre case ici là. Y'a pas de why not. Ouais, mais ça c'est la colline, puis la colline ça vide. Ouais, mais du coup ça l'obligerait à renforcer deux endroits. Ah putain, ils sont tellement tous désorganisés chaque fois. Ouais, là il renforce pas assez, ça va pas passer de toute façon. Même si on a des divisions, y'a pas assez, il peut pas renforcer. Tu sais que je suis pas en guerre contre la France. C'est bizarre. Après je sais pas, mais t'attaques avec son. Tu vois le force attaque, ça fait passer. Ouais, c'est pas le fil, il a pas fait force attaque. Ouais, c'est par contre, fais gaffe, si c'est bon, Sarbrook. Sarbrook. Oui, non, c'est pas forcément. Ok, c'est bon, on est passé. Maintenant Blitzkrieg. Tu vois, il veut sortir sur Nancy. T'as tout le casque qu'il te faut. En fait, je suis pas en guerre, moi non. Si bon. Moi, je suis pas en guerre contre la France. Moi, je suis en guerre contre l'Angleterre. Et, l'Irlande. Je suis en guerre contre la Pologne, l'Angleterre, ouais. L'Irlande et le Brésil. C'est pour ça que les avions font rien. Tu t'es pas aussi appelé en guerre contre la France. Quoi ouais, pour nous. Ah, c'est une guerre indépendante. Mais non, c'est. Mais, tu sais que je suis pas en guerre contre la France, moi. Appelle-toi. Ah, ça y est. Ouais, j'ai... mais c'est bizarre. C'est bon. Ah, c'était la même guerre. Ah oui, c'est descend encore plus vite maintenant. Au secours. Au secours. Ça descend encore plus vite. Du coup, ça veut dire que t'as percé Maginot. Sans avion. Sans avion, quand même. Oui. C'est pour ça que tu galérais à passer, je pense. Ah, je comprends. Tu sais qu'il n'y a pas assez de chasseurs. Il y en avait zéro. Putain. Ah, mais du coup, j'ai diminué le nombre de casse, hein. Et puis. Donc maintenant t'attaques sur un fort 10 avec tes chars sur une colline. Ouais. Bah non. Non, y'a. Bah non. Attaque sur Nancy ou n'attaque pas. C'est mieux juste. Bah non. En même temps, on va faire ça. On se fait exploser nos avions. Après, je vais pas te dire. Mais... Il faut du pétrole mais vite. T'en as combien d'avions? Attaque la. Ouais. On a 2030 tout le pétrole de la Roumanie. Après, mais j'ai plus d'usine, Le Roumain. Avec les marines, place-toi sur le Danemark. Pour que quand il attaque le Danemark, tu sais directement. On a envoyé des volontaires. Oui, l'infanterie. Ah non, le Japon, non. Marine, c'est. Ah, ok, triste. Le Japon, non. Non, les volontaires aériens, si tu veux, à la limite, mais pas de kamikaze. Hein. J'ai déjà fait assez de conneries comme ça, le japonais. Mais leurs avions, en fait, ils sont bien meilleurs que les nôtres, hein. Ils ont trop d'agilité de vitesse. Ah, critique pas où je t'annexe. T'as une case ici, tu peux pas me dire ça après. T'as case ici, la plus fort. Ici, j'ai pété tous les forts. Réorganise tes trucs. Ramène tes chars. Mais ça va passer sur la case où il y a qu'une div. Hein. Tu aimes pas quand c'est chier de passer par là alors qu'on pourrait simplement passer. C'est pas la Belgique, quoi. J'aime pas pourquoi on fait ça. Descends sur Nancy.
Alors, en fait, se décime notre invasion. Nous motorisette. On a pas été héros trop, mais plus zéro. Attention! Putain. Ah, c'est bon, ça monte, ça monte. On va prendre le pont derrière, on va en faire le tour. Ah, j'ai pas du fusil balpé. Attention! Ah. Ouais, ça redescend. Enfin, apparemment, je sais pas. On des trucs plus. Allez, peut-être qu'on peut les encercler là. No! Un! Ouais, on en a eu un, wouh! C'est où le Anhul et le... Attention le Bulgare, ta division à Amsterdam. Aïe. Bouge pas le Bulgare, attaque rien. Aïe aïe aïe. L'Allemand, tu peux donner un soutien d'infanterie ici pour aider le Bulgare? Où? À Amsterdam. Ouais, je peux. Enfin, dès qu'il aide. C'est comme un Gino, donc c'est un. Putain. Non, mais pas ici, là, il y a une case. Mulhouse. Il est en train de te repousser aussi. Enfin, j'ai le cancer. Il me faut vraiment. Les gens me donnent sur leur pétrole parce que même avec ça je suis en train de... Allez go, c'est ouvert, bon on y va, on rentre là, avec tes chars tu rentres là, allez go, micro maintenant. J'ai essayé de sauver le Bulgare. Oui mais tu lances ton attaque pour cela dit Bulgare mais tu continues en France là. Avance tes chars. Pourquoi t'attaques là alors qu'il y a une case en haut qui a rien? À côté de mettre ça avait rien, à gauche. Il y a plus rien au-dessus, avance. Allez en micro là, donc... Ah. Bah attaque avec tes chars derrière le fleuve. Monte par là, passer par lui là. Le Japon, tu peux... Il y a le Brésilien quoi. Positionner tes mecs. Ça c'est du foutage de gueule qu'il y a comme Manuel. Tu sais qu'on a un an, donc t'inquiète. Ouais mais... Quand... Essaye d'encercler des trucs à droite là, je sais pas ce que tu... Non, tu peux pas encercler, il a tout. Il y avait des Brésiliens, t'aurais pu les encercler. Mais il a tout pris, puis il a tout balancé en 13. Ah, ils ont enlevé tous les avions de la France, Ah, ils back, c'est normal. Oh, il y a le Bulgare qui va crever là, t'as div, désolé. Hein. Je peux pas percer ça. Voilà. Elle va pas crever, mais il faut ramener des chars. De toute façon, la France est tombée, ramène tes chars au Pays-Bas pour essayer de sauver le Bulgare là aussi. Je vais y aller. Ça va nous occuper un peu. Ils ont presque le double d'avion. Il manque de l'artillerie. Qui ça? Non, je t'inquiète, c'est pour ça. Ah oui, non, d'accord, ok. Il est un peu loin quoi. Est-ce que tu peux m'envoyer des convois? Ouais, du convoi. Et après tu me renverras tes... Allez, va donc micro tes chars. Chose. Et stun. Et il va tenter de la stun sur Paris? Adrox. Ouais. Micro. Tu veux que je micro quoi sur Paris? Les chars. Libère. Mets des avions sur l'Afrique et la mer. Je sais pas ce que tu fous. Ah, il a foutu des nids sur Paris. Oh, c'est bon. Tu peux libérer le Bulgare T'as amené un char ici, je sais pas pourquoi, mais. Alors que tu micro pas. Pire, donne-le aux Roumains si t'arrives pas à micro. Hein. Non. Et le Canadien avec des parachutistes. Ça va, ah bah la stand sur Paris ça a pas fonctionné. Hein.
Et sérieusement, il y a des paras canadiens là? Il y a genre 300 cas sur eux, je pense. Il y a 200 sur le Jig là. On est d'accord qu'un Indochine peut pas refuser. Non, j'ai minerai comme quoi il est obligé d'accepter. Il doit faire Vichy ou pas? T'as le choix, mais en vrai, je sais pas si c'est un. Vichy, ça va pas te donner l'Afrique, hein, en tout cas, dans ce mode. Ça sert à rien alors. Donne à l'italien ton petit. Ça peut te faire des trucs. Puis le camp, la France. Encore là en France. Orléans. Putain, c'est une belle. Bah, en fait, elle a enlevé son malus donc. Je mets pas les troupes autour de ton porte. Porto. Ah putain, il y a déjà plus mal en plus. Santo. Oui. Tu mets pas les îles autour de ton port. Ça veut dire non. Non. De quoi je parle à quelqu'un, quoi? Laisse tomber, tu es trop occupé. Non mais est-ce qu'on peut mettre des avions, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y a pas d'avion là. En Afrique. En Afrique, ok. Ah oui, en... au Caire et tout ça là. Ouais, mais il faut que je la porte. Ramène tes chars tout de suite en Afrique, hein. Il a pris Malte. Enfin, libère le Bulgare d'abord. Pas qu'elle est prévue. Mais pourquoi? Je vais encore aller prendre Nice, bordel. J'adore la micro là. Le Bulgare, il doit être en sueur. Hein. Mais... Ah, mais je dois dire que c'est pas ma... Ouais. T'es trop drôle, mon gars. Quand tu le fais souffrir, t'as des putains de chars à côté, tu les touches pas. Tu les laisses là. C'est vraiment... Je vais d'abord faire capter la France à la base. Bien joué. Allez, maintenant, on envoie les chars en Afrique. Et on finit la France. Mais pourquoi ils capitulent pas, putain de France, là? 92%. T'as Toulon, là, juste à côté. T'as une div, t'as Grenoble aussi. Limoges, Tours, Dijon, 3. Mais y'a la Belgique qui est en train de reprendre les territoires de la France, là. Ils sont pas les couilles de la Belgique. Pourquoi vous l'avez pas fait capituler? Adrox. Med. Je t'ai envoyé les chiens. Tel ceci, s'il te plaît. Merci. Voilà, comment ça se passe? Tiens, s'il arrive à se... Cool, Manchu, tu veux te faire quoi, en fait? Je vais faire... Il y a des avions dans la... Là, je récupère quelques territoires, si tu veux. Bah, c'est pas trop. Ouais. Je récupère quelques territoires, et là, je fais... Non. Let's go. Mais bon. Putain, j'ai réussi à me faire... Ils ont libéré Paris, sérieux, quoi! Bon, je vais micro pour vous, parce que... La guerre, là. Le Manchu, tout ce micro, là, vraiment, hein, je sais pas ce que tu fous. Toutes tes 10 infanteries, fais-toi un template de 40 de Marines. Ok. Je suis en cours. J'avais déjà fait un truc, mais... Tu peux convertir toutes tes divs, hein. Si te manque du matos, je pourrais t'en envoyer. Non, non, mais t'inquiète, le matos, il arrive, c'est bon, j'ai des usines. Les convois? Ah, tu les as vus. Ah non, pas encore. Combien de temps? Les convois, si, jour. Mais j'en produis maintenant, j'ai des dockers. Ouais. J'avais un peu de mal. Putain, y'a l'Irlandais qui revient, quoi, sérieux? Toi, je peux passer ou pas? Au Central Med, ouais. Y'a ouais. Un Irlandais? Non, l'Irlandais! C'est ce que j'ai entendu. Ouais, tu peux passer, non? Central Med, c'est bon, ouais. Tu vas enfin tuer la France? Putain, je me suis fait encercler une div, quoi, sérieux! Alors, ça rage, côté. Ah, vas-y, passe. Bah, ouais, parce que. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec deux divs, je suis roumain, quoi, je suis là juste pour soutenir. T'es un putain de roumain, mec! Vas-y, maintenant. Bah ouais, mais y'a plus personne, mec, je suis obligé de me tailler là, quoi, sérieux. J'ai du casse partout en France. Avec un peu de chance, je vais pas crever dans la mer. C'est bon, tu vas finir, tu as un micro là, donc. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en France? Ouais, bonne chance à Drox. C'est tentaculaire, on va dire.
que tu peux y arriver. Là, c'est la Belgique qui est en train de libérer la France, quoi. Enfin... Bien joué. J'ai eu le temps de perdre une div dans tout ça. Non. Je viens en Afrique. C'est pas trop tôt. Les bombardiers en med. Putain, ça me fait chier, quoi. J'ai pas encore de matos dans mes yeux, là. Tiens. Ouais. Non mais on peut prendre directement. Regarde, il défend avec des tanks. Lol. Faut que l'Allemand les envoie ses tanks. Bah oui. Bon, le seul point avantageux, on va dire, c'est que l'Irlande aura plus de div, quoi. Appui RR. Ok, j'ai le casse 44. Par contre, j'ai un autre problème, c'est que j'ai de nouveau plus de chien. Et ça. C'est pas bon. Ah non, parce que sans fuel. Donc t'as pas de cavalerie à droite. Si c'est bon. Tu la mets en tac à l'aise pour le reste. Et Dieu, s'il te plaît, vraiment, concentre-toi. Non mais attends, y'a la Free France qui vient de débarquer au Havre, quoi, sérieux. Putain, elle joue, elle est jouée ou pas? Oui, elle est jouée la Free France, hein. Ben qui ne veut. Bah, c'est bête, il va perdre deux divs de plus, quoi. Il aurait dû les garder autre part. Voilà, ouais. Eastern. Bon, c'est bon. Eastern Med, merde, avoir des trucs. J'arrive, mon petit Santo. Eastern Med, y'a. Ah ouais. Ah, oh, c'est l'Inde qui défend ici. Putain, quoi. Et il a lâché. Y'a plus d'avion. What, il débarque sur Dieppe? Y'a plus d'avion en Egypte. C'est le moment, y'a 200 casses. Vas-y, vas-y. Tu peux. T'as pas d'or. Non, t'as pas full d'or. En vrai, je vais le laisser land sur Dieppe, comme ça on pourra détruire deux divs de plus. Je m'occupe de la Tunisie, moi. On va lui couper son espoir. Il y a des avions en Egypte, il vient de remettre. Non, mais c'est bon, c'est bon. Y'a que 200, y'en a que 200. Mais pourquoi y'en a que. Il a vraiment en train de faire Westwall là. Si je joue. Allo. Allez. Est-ce que je peux. Ah non, je peux pas. Je vais pas rechercher la. Pourquoi il me faut des convois pour importer à l'Espagne? Tu y vas, Drox? Drox, tu peux y aller là. Il y a le planning bonus. Tu peux libérer cet aéroport. Il y a des chars, tu peux y aller. Il a libère cet aéroport. Planning, ok, bon. Il y a des putains de chars sur la main là, tu peux y aller, ça me semble avec Mulus Go. Ouais. Mets ton Fortress Buster là. Vas-y, Fortress Buster. J'ai enlevé les avions. Là, il y a un moyen qu'on les mette. T'as mis le char bombardement. Je revois ma flotte. Ouais, j'avais oublié, excuse-moi. Après, ça, je rappelle qu'on est supplété à maintenant. Alors, là, plus. C'est ça? On met dans Orienton? Non, non, ici. Ici, non, et ben, non, ils ont. C'est bon, t'as la chambre en mode. Même si t'as pas de convoi, prends-les. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. C'est bon, vous avez pas la. Si, elle récupère en pensée, c'est possible. Ouais, c'est pas comme dans War of Revalence, quand t'avances doucement. Attaque les tanks, ouais. Il faut prendre pour. Si vous avez arrivé à prendre le truc d'Alexandrie, c'est bon, ils auront plus d'avion. On va se gagner l'Afrique. Essaye de poche, Adrox. Vas-y, micro, Adrox. J'étais en train de faire, mais. Ah putain, y'a un trou là. Non, là. Y'a deux trous. Je vois les deux trous. Non, mais tu t'en fous. Ça, tu t'en fous. Allez, go, on y va. Vous prenez Alexandrie, ils ont plus d'avion. Enfin, 10 000 fois que lui, poche. Prends le. Allez, bah, avance et encercle. Vas-y, encercle. Allez, non. Attaque au sud. Arrête d'attaquer. Sur Suez. Ils ont plus d'avion. Ah, il va tenter de défendre Suez, à mon avis. Va sur Suez. Pin le sud-af. Il bouge pas, c'est un pin. T'as un tank qui bouge pas. Attention, au Caire, ils vont t'encercler au Caire. Non, c'est bon. S'il avance pas, si, ils vont l'encercler. Son char, il va dead, hein. On a Alexandrie, file-le super aérien. Putain, l'Espagnol juste. L'Italien arrive juste à temps.
Il est overrun, le char sudaf est overrun. On a la sup, on a la sup. Passe Suez. Tu veux pas que je descende en bas? D'accord. Y'a plus d'avion en Égypte, plus d'avion en Égypte. Non, non, en bas c'est une connerie, autant avoir le Suez directement avant qu'il le députe. C'est bon, on y va. Surtout que là y'a des Indiens qui vont crever. Avance, soit sur Suez. Non, non, avance, arrête-toi là. Arrête-toi là, parce que sinon. Tu veux pas que je descende? Ok, ok. Alors, descendre, c'est une connerie. Alors, soit le Canadien a donné des avions, soit il en a perdu genre une chérie parce qu'ils ont perdu 2000 apparemment. Avant les estimations. 2000 oh, ça pique pas, avant c'est en 4000 et 9000, maintenant c'est en 3000 et 6000. D'ici, c'est possible. Ah, ça vient de remonter. Ils mettent des avions en Afrique du Nord. Par contre, ça peut peut-être. Ok, on est bon. Faut prendre Siri, etc. Ouais, on est passé. Yes, vas-y, encercle. Je back. Ah merde. Stratégique last stand. Les gars, les paras là. Ouais, les paras, c'est ce que je pensais, ils ont mis plein d'avions. Oh putain. Je les ai mis trop tard. Non, c'est bon, ils sont libérés. C'est bon. Ok, c'est bon. Là. On a le super aérien. Ils ont fait de la merde. Vas-y, attaque tout de suite. Elle a pas vu. Bah, attends qu'ils se déroulent, ils attaquent comme des bourrins. Attends, excuse-moi, j'ai pas vu. Là, je suis en train de sauver mes divisions d'une mort certaine d'Afrique de l'Ouest. Normalement, je devrais pouvoir faire le Canada, le Danemark. Ça vous dérange si je passe en économie exportatrice ou je suis plus de raffinerie? On est sauvé, t'inquiète. C'est bon. J'ai mis du casse la super aérienne en Afrique de l'Ouest. Si tu l'avais vu, Tel Aviv, si tu veux. Ouais, attends, je fais juste un ou deux trucs avant. Ça, il n'y a plus d'avion en Égypte. Demande-moi des territoires que tu veux en France. Ouais. Deux secondes. Si tu veux faire le Danemark, je suis bon, j'ai des troupes sur place, hein. Faut juste que tu mettes une flotte pour que je puisse débarquer. Des sous-marins, ça devrait suffire en vrai contre le Danemark. Je peux pas te les demander. Comment ça? Faut que je puisse. Tu peux me filer ça, ça et ça. Ouais, c'est bien. Ah, c'est vrai qu'on peut pas demander. Si, moi je peux. Ah non, on peut pas. On peut pas demander les territoires, what? Faut défendre surtout quoi. Déclare le Danemark, tiens. Attends, pourquoi? Main, c'est bon. Control of state. Ah, je crois qu'il y a juste pas les noms en fait. Tu veux quoi? Appelle-moi à la guerre contre le Danemark. Exact. Adrox, appelle-moi. Ouais. Tu peux me filer ça aussi. Top. Comme ça, j'ai toutes les ressources que tu m'as prendre. Voilà. Attends, faut juste attendre un ou deux jours le temps que ça. Ouais, pas de problème. Ça te suffit si je te laisse trop char? Ouais. Tu me donnes un expéditionnaire ou tu les contrôles toujours? Ouais, de lui t'es 5 chars pour l'instant, comme ça il va pouvoir micro en Afrique. Quoi? Et toi tu fais plus. Non, il me l'a dit français. Ah, ça va très bien, quoi. En Tunisie. Comme ça je vais pouvoir gérer l'industrie pour après. Attends, je finis la série et. Encore du travail. Putain, d'avoir du. Justifie la. Je peux déclarer la guerre à la Norvège ou pas encore? Attends, 2 minutes, je prépare mes débarquements et go. Le japonais, pourquoi t'en. Ouais. De toute façon, t'es libre, le japonais. Là-bas, il y en a dans les îles. Il me faut 7 jours pour préparer mes débarquements. Tu veux qu'on détruise la Malaisie après qu'on se fasse le dominion à toi? Ouais, Malaisie, Indonésie. Parce que là, moi j'ai rage. Sento, si je passe en exportatrice, ça te dérange? Non, ça devrait être bon. Faudra.
On va commencer à faire des rondes. On a assez de place après. Faire ça. Je vais tourner de si à l'heure. La super aérienne là. Ah, du coup, c'est quand tu veux pour la Norvège. Ouais, super aérienne. Ok. Ça devrait être bon. C'est bon, bon, pardon. T'as la sup. Forcément, t'as la sup. Ouais, parfait. Merde d'interception. Merde d'interception, merde d'interception aussi. Tout à fait, je vais tuer toujours les deux alors. Ok. Ah, ça prend force attaque. Ah, même dans la med, sinon c'est débarqué pas. Tu me dis, hein, wesh. Je vais voir la flotte de l'Amérique. Je les avais en prévention. Oh putain, la flotte de l'Amérique. Non, mais c'est que des subs probablement. C'est que des subs, donc tu fais du tactique et c'est bon. Si j'avais eu un peu plus d'usine, ça aurait été plus. C'est bon, tu viens à l'est. Ouais, j'arrive. Hop. Non, toi tu montes. Monte, putain. Je vous mets un pote en Norvège. C'est plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, de oui. Je veux un pote. De casse, ok, merci. Voilà, du casse de 44. Mon dieu, j'ai 200 000 âmes dans le clavier de l'air. Il est minuit. Bonne année. Wouh. Oh l'enfant. Non, je crois pas, non. Tu peux accepter ceci, monsieur Mussolini? Ouais. Merci. J'ai une troisième vie de charge, j'avais pas vu. Ah, il met de la viande au bout. En Afrique. Enfin, il tasse le terrain. Non, mais là, ok. Non, ça tombe en deux. Tranquillement. Je suis en train de méchant là. Attendez, il y a mon chat qui miaule là. Allez, rentre. Casse-pied, tu fais ça? Bah, non, tu réussis à prendre ma tête. Même pas. Tu fais ce que tu veux, mais tu m'emmerdes pas. Absolument, comme ça. C'est même fait oublier de mettre du support. Super. Il est où notre... Oui, d'accord. On va faire aller là. Ah bah non, il y a déjà lui qui va. C'est pas grave. Trondheim ! Il y a un débarquement qui se prépare quand même. Et tu protèges pas au Danemark ? Danemark ? Ouais, il y a aucune unité. Ouais, c'est vrai. Bon bah je vais couler 65 subs britanniques qui sont ici hein. C'est vrai. Voilà. Deux... Il y en a 65 qui va killer. Ça c'est fait. Il est fou le mec. Bon t'attaques sur la Tunisie, j'attaque à gauche. Ouais. J'ai du fighter et du casse en Tunisie. Ok, let's go. On va voir, je comprends. Pas de problème. Ah, tu peux y aller toi hein, si tu veux hein, déjà. Ok. C'est plus de slots. Prendre l'orgue. Plus de slots construction. Je crois que genre j'ai fini mon truc. Ah, bien joué ça. Pouf, ça coule les sous-marins sur terre. Les sous-marins ça coule plutôt bien. Ah ouais. Ça fait pouf pouf pouf. Et ça fait boum. Bon mais voilà. Norvège et Danemark fait. Vous avez besoin de Marines? Aujourd'hui, non, non, truc. Tunisie.
Bon bah let's go. Je rigole hein. Let's go, let's go, let's go. Bon, en vrai en Tunisie, tu débarques. Bah je réplique hein. Ou alors il apprend juste avec ses chats. Je vais... Encore pour mettre encore plus de pression, je débarque. Allez débarque Nevis, on te regarde. Tu mets de l'avion. Oh, attends, il faut. Mes troupes elles sont encore au Danemark, donc 2 minutes, il faut le temps qu'elles arrivent. C'est normal que j'ai déjà 21 chars là. Ouais. Ah, là, 21 bon, après peut-être que les Russes ils en ont beaucoup aussi. Hein. Je sais pas, ouais, je sais pas la prod. Après à droite, mets tes chars en garnison, comme ça tu pourras mettre 72. Non, désélectionne les régions et tu pourras. Ok, c'est mon art de gloire là, ils ont bougé, j'arrive. Ah bah ça vous avez percé. Tu m'étonnes. Quand t'es un français tu sais pas jouer. C'est vraiment savoir jouer en le français quoi. Plutôt attendre sa mort en fait. Oh là là. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire, ils ont mis d'avion en Afrique du Nord. T'as moi qu'un char il est où mon char, l'autre char. The fuck, ah y'a des chars, putain les chars fantômes, oh je déteste ça. Des chars fantômes. C'est ouais. Des chars Tu les vois pas Ouais. J'ai compris le but d'un char fantôme. C'est un char qui fait peur aux enfants la nuit. Ah. Le Ventchu est en train de débrouiller les avions pour les entraîner et les préparer. Ils sont déjà très chauds en fait les avions en fait. Oh mon dieu. On va les ramener sur Bucarest. Alors, je vais m'occuper de Chypre, tant qu'à faire. Ouais tiens si tu peux prendre Chypre, ça peut c'est bon on a la super terre. Ça. Voilà ça se sent. En Afrique du Nord. Tu peux m'aider ici sur cette case sans toi. Ouais. Enfin, tu la vois non tu... Je te mets de la super éthérienne sur Chypre. Thanks. Alors attendez, on va mettre lui. Et ils peuvent pas y aller. Oh putain. Merde. On va s'arrêter piner dans le sud. De quoi, qu'est-ce qui se passe dans le sud? Il y aurait moyen d'avoir la sup navale dans la mer Méditerranée Est. Ouais, tu l'as. Thanks. Je détruis tellement de... Je sais même pas s'il y a des troupes sur Chypre en fait. S'il y a des troupes, il y a des troupes. Il y a genre 8 divisions, je crois. Ouais, non. Il y a une division du Dominion of India. Ah bah il y en a enlevé. Ouais, si tu peux passer dans le sud, ça m'arrangerait. C'est comme ça, parce qu'il y a que des montagnes dans le nord. J'attends que toutes mes troupes en position et récupérer leur orga parce que sinon on est pas fini. T'as une plaine dans le nord là, tu peux ça. Ouais, y'a des plaines là dans le nord, enfin des collines. Flépine par contre, tu veux les empêcher de renforcer la case là. D'accord, pour prendre du char lourd, faut que j'améliore à fond. Tes canons. Tu mets 5 gâtis Tanker en Mount ou pas? Quoi? T'as l'air Panther? Il a un focus hein, pour faire. Oh, il aurait tellement pas dû faire ça, il aurait dû faire opération contenance en fait. Hein. Casse. L'Afghanistan, c'est un peu de la merde, ça sert à rien. Hein. Il va gagner 2 usines militaires quoi. Ouais. Il aurait dû attendre pour faire contenance. Qui aurait été beaucoup plus bénéfique pour eux et les alliés. Oui, ils sont nuls les générales français. Vas-y, je te suis. Il y a 2 troupes de l'Inde sur. Oui, quoi. Non, justement, je veux dire, t'as la super aérienne. Tu l'exploses. Voilà, c'est bon. Là. La seule conquête roumaine. Chypre. Bon bah j'ai détruit 2 indiens. Voilà, 2 divisions indiennes. Détruit genre carrément. Ah oui bah ouais elles sont mortes hein. Elles sont dead. Ils ont combien de morts? 1 million déjà pour 500 000 pour nous.
Il y aura 200 000 de l'Irlande. Il y aura l'attrition en Afrique, là, vu le nombre de combats. Mec, c'est l'Irlande qui m'a fait le plus de kills parce qu'elle m'a détruit une division en encerclé. Attends, je vais diviser un peu. Piné, piné, hein, piné, piné, piné. Je l'ai avancé là. J'ai pas vu, ouais. Attends, attends. Tac. Il va s'en prendre à l'Iran maintenant. Si, je vais prendre Constantine. Sérieux? Au vu du truc, ouais. Bah non. Non, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait Secure Afghanistan, mais il a pas fait Opération Contenance, donc du coup, bah pas d'Iran. C'est débile. Yes, GG. Bien joué. Il aurait dû faire. Il aurait dû attendre 41 pour faire Contenance. Et pour quand le détroit de Gibraltar, en fait? Je suis en train de prévoir. Ok, bah je prépare les avions. Ordre à ça, je vais sûrement y aller, puis il est minuit. Et Thanor, ça se passe bien de ton côté? Comme il faut, là on va à la poche des divins. Ouais, c'est ce que je vois. Allez, en position tout le monde, let's go. J'ai coupé un battleship brésilien, MDR. Ouais, il y avait un aérodrome 1000 sur Chypre. Niveau 10. Ah, et ils mettent. Quoi? Bah, ils sont dans le Maroc, hein. Ils vont se retirer là, ils vont se retirer là, ouais. Mais il faut qu'il. Mais il est con, le français. Wait. Oui, il joue la France. Pourquoi est-ce qu'il peut pas prendre Evacuation de Casablanca? On est en pause, non? Attends. C'est Santo qui a mis pause. Santo? Evacuation de Casablanca, il a pas Capital Move. C'est... Pourquoi il peut pas faire ça? Parce qu'il a. Elle où sa capitale? Bah, elle est à Casablanca. Faut pas qu'elle soit Casablanca, non, c'est ça le truc? Je sais pas. Si. Ouais, faut... Non, faut... Capital moved to. Ah ouais, non. Vous l'avez bien fait, Capitu. C'est chelou. Français, il peut pas faire sans focus. C'est débile. Juste... Ah. T'as pas bloqué un truc? Mais non, parce qu'il contrôle la région. Il contrôle. Écoute, bah, peut-être quand ça va tomber, ça va peut-être bypass. Ah, c'est plus naval. Tiens, ça me saoule, je peux pas mettre mes navires dans la. Pino, la Méditerranée. Pin indien à gauche. Ah, je peux pas. Ouais. Beau ce qui se passe là. Pino, non, je suis parfait. C'est parfait. Je vois ce que tu fais. C'est bon. Oh, l'Indien qui prend cher. Mais l'Indien il a perdu combien d'hommes? Il a déjà perdu tellement de divs. L'Indien il a déjà perdu 300 000 hommes, ouais. Et il va encore en perdre parce qu'il a des divs encore encerclés. Italie number one. Est-ce qu'on pourrait avoir la sup navale dans la mer Tyrrhénienne et la mer Méditerranée ouest? Ouais, tu peux. Je vais tenter un truc sur. J'attends que mes troupes récupèrent leur orgueil et je lance un truc sur Gibraltar. Prenez l'aérodrome s'il vous plaît en Maroc. Au Maroc, si j'en ai jamais. Oui, alors chaque chose en son temps, un petit Q7. Oh, mais y'a personne. On a besoin pour débarquer à Gibraltar. Allez, on récupère l'orga. Le trav, il va attendre, ok hein? Non. Ah. C'est maintenant. Ouais, bah là. C'est la blitzkrieg. J'ai pas des tanks, non, c'est l'allemand qui va me les donner, les tanks. Oh. Je vais pas les faire. C'est l'allemand qui va me les faire. Mais le roumain, il est prêt, même. What? Non. Un truc qui m'a. Qu'est-ce qu'il a, le roumain? Tu sais ce qu'on dit, la patience est mère de toutes les vertus. Ouais, bah pas content de la blitzkrieg. Moi je dis c'est parti. C'est bon, tu peux aller sur Gibraltar, tout est ready. J'attends juste que mes troupes aient récupéré toute leur orga et je lance. Ils ont une porte de malade les Castrois. Est-ce qu'il y a une case de ça? Il y a une case de désert dans le sud. Le Maroc ça va tomber ça. Vous prenez pas l'aérodrome de Aswan? Non. Ah, okay. Putain, oui, tu pourras le prendre. Là. Alors, je lance le débarquement sur. Ah non, merde, attends. Mauvais. Ouais, t'as raison.
Près des poils, les Allemands ici. Je lance le débarquement sur Gibraltar. Et ici aussi. Pour mettre 1000. On a récupéré terrienne en North-West Africa ou pas hein. Ouais. North-West Africa, non, on a pas. Je vais la mettre tout de suite. Je suis pas sûr qu'on ait la range. Non, non, j'ai pas la. Oh, j'ai pu mettre que 500 avions. Non, pas la range. Je vais mettre que 500 avions. Ah, il débarque, ça débarque sur Gibraltar. Ouais, ah, ouais, je tente. Allez. On va voir. On a peut pas, non, ça marche pas ça. Je vais essayer, mais à mon avis, si tu me rends pas. La mer est mise. Peut-être une flotte en soutien, l'italien. Ouais, en bombardement côtier. Tu attaqueras après moi. Ouais, vas-y. C'est bon, on a les supériorités aériennes en nord. On est aussi au nord, non enfin, ouais, c'est pas obligatoire maintenant. Ah, tu risques de passer en fait, hein. Ça en aide. Ah, là, je crois que tu les désorgues, enfin. Ouais, le Japon, tu veux que j'envoie des mecs ou pas? Vas-y, rentre dans le combat. Je voulais que tu fasses des Marines, mais je. Enlève une tête d'hiver. Ils sont en train de se faire, pourquoi? Bon, on a la non, en fait, ce que je veux dire, c'est que toutes tes divs, tu les convertis en Marines si tu peux. Je t'aurais rejoint dans la bataille, allô? T'as pas besoin de faire des nouvelles divs. Oh, yes! Faites attention, j'ai des sous-marins en fait. Comment ça, il y a des sous-marins? Il y avait des sous-marins qui anglais qui t'ont coulé une partie de tes combats. Oh, sérieux? 5, ouais. Enfin, regarde, ils sont de retour. Je me taille. Et du coup, j'envoie mes soldats marines en bas, c'est ça? Ouais, tu prépares un débarquement sur ça. Ah, oh, putain, me dis pas que je vais perdre mes divs, quand même. Non, mais attends, je mets mes avions en attaque en arrière. Ouais, parce que là, je vais... Oh, putain, sérieux, quoi. Mais pourquoi ils repartent? Putain, tous les bonus du top fond, le Manchu regarde ce template et essaie de le faire. Putain, j'ai dégagé. Putain, presque. Chaque fois on passe à ça, mon gars. Hein, putain, à chaque fois on est à ça. Et j'ai perdu 2 divs. Ouais, attends, là ta div elle a plus d'orgue. Et je vais perdre. Non, me dis pas que je vais perdre un Marines quand même. C'est bon, c'est bon. Ouais, réorg tes divs. Ouais. Bon, j'ai pas perdu une marine, j'ai perdu 2 divas 20 heures de combat. C'est bon, tu passes. Ouais, normalement. On a pas la super. Tu sais, c'est bon, le japonais. Je voudrais bien faire ce que tu me demandes, mais j'ai pas d'usine, tu vois. Et quand tu l'épines dans le nord aussi, on descend, bien. Arrive. Ouais, c'est bon là. Enfin, ça, moi, je pense que je vais y aller. Parfait, là, faut que tu prennes là-dedans. Ah, il est plutôt tard. Attends, il a. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il bombarde en Allemagne? Bah, si tu vas, on va s'arrêter là, on reprendra la semaine prochaine. Hein. Non, attendez, on finit juste l'action au Maroc, s'il te plaît, Fox. Ok, ok, juste on finit le Maroc. Hein. Attendez, quoi, vous voulez pas? Vous voulez qu'on refasse la semaine prochaine? Bah, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Hein. On fait 2 sessions en général. Okay, oh putain, poche. Ah, mais attends, je peux faire les deux? Pin dans le nord, pin dans le nord. Prenez l'aérodrome et puis tu vous as. Pin dans le nord. Ouais. Je te suis, moi. Putain, il fuit vite, les amis. Là. Ah, ils ont bien fuir vite, là. Ça attaque ouais, en Italie, au Caire. On a la sup aérienne. Mets-moi des avions. On a la sup. J'arrive. Je vais t'aider au Maroc là. Putain, tu vas les encercler. Quoique. Ouais. Envoie tes chars sur Casablanca. Ouais, c'est bon, tu es en train de le faire. Non. C'est bon, on a les rodrons de Casablanca, super. Putain, 5 jours de. Dommage. Ouais, bon, faut toujours en buter. J'arrive, je suis derrière. Ouais. C'est bon, on a la super. Ouais, attends, parce qu'il y a moyen quand même de les tuer, les overruns, sur quasiment qu'un. Oh, mais contre le canadien, il a mis des bombardiers tout le monde. C'est bon. Passe, fait pénalty d'encerclement. Fuxo, t'arrives à mettre des avions ici ou pas? Bah ici, Ouais, ta marine est morte. Hein. Ouais,
T'as débloqué ouais, des aérodromes. Ça va, je t'en ai mis un peu. Ils ont pas réussi à contre-attaquer. Ça suffit ou pas? C'est bon, on est en vert. Putain, si vous arrivez à dégommer tout ça, le français il a plus d'armée quoi. Il me saoule vraiment hein, ce canadien à mettre des bombardiers partout. Bon, on rentre chez nous. T'arrives à l'overrun sur Casa Monclo ou quoi? C'est compliqué, je vais essayer. Bon, on a la sup ici. Je fais force attaque. On est déjà à combien de morts? Enfin, ils ont perdu beaucoup. Ils ont... Ouais, ça, on a plus ou double. Ils sont en last end, non, en fait. Là, l'Inde, 400 000 morts, ça pique quand même. Elle va prendre cher pour le... En train de souffrir le français, là, souvent. Pour le Japon. Ils ont 3000 avions, plus que... Le last end cancer, mon gars, le combat qui ne bouge pas. On kiffe le last end. Ouais, fais-moi du combat-raid, fais du combat-raid. Attention, ils avancent ici. Quand le combat va bouger, mon gars... Oh, il y a des paras, là. Parce qu'en fait, il peut pas bouger, il est en last end, mon gars. Ah, ça y est, il est plus en last end, je crois. Ouais, mais ils ont pas l'aéro. Ça y est, il prend le mauvais sens. Désolé, mon gars. GG. 5 dives de montagnard, 6 dives. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Le français, c'était mieux resté que ça. Ouais, bon, il y a quand même encore une petite armée. C'est déjà pas mal. Ok. Mes marines ont pris vraiment cher. Hein. Là, j'ai plus qu'à prendre Gibraltar et on est bon. Et on est sur un overrun de qualité. Le français a 200 000 pertes. Ah, ils sont plutôt aussi chers que ça. Là, ouais, ça bypass ton focus, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'il faut que je renforce mes armées en fait. Ça doit être ça. Moi, il y a le. Ce canadien qui met des avions partout. Oh. Ah, mais quand même, il m'a quand même pété pas mal d'usines en fait. J'ai... Ouais. Je sais que la Roumanie peut faire des tanks, mais je suis pas parti sur les tanks. Il en met partout, il change à chaque fois. Après, tu maintiens genre 50 avions sur chaque région au-dessus de l'Allemagne, ça suffit. Bah non, mais il met genre 500 bombardiers. En vrai, j'ai encore envie de me battre un peu du côté d'Afrique. Ça a l'air d'avoir envie de counter-push là. Non, on y va pas, c'est un piège à se faire encercler ça. Sachant qu'ils sont des paras, ça c'est le seul endroit où ils peuvent pas te push, donc autant regarder. Ouais, faut moi les paras canadiens qui attaquent dans les montagnes là. Par contre, ouais, ok, c'est dans l'axe. Claim Kuwait, ok. On va récupérer Al-Kuwait. Ah, mais non, là déjà je suis. Non, c'est le. Ouais, c'est l'Irak, ouais. L'Irak qui va déclarer la guerre à l'Angleterre. Pas ah, mais il a déjà déclaré la guerre! Ah, c'est un peu... D'accord! L'Allemand? Ouais. Hadrux? Y'a moyen que tu me files cette province? Tu peux me la demander? Je crois qu'il peut pas. Je crois pas. Est-ce que ça s'affiche? Mais non, ça s'affiche pas, mais en fait, même si ça s'affiche pas, tu. Ouais, tu peux cliquer dessus normalement. Si tu cliques sur la map, ça te le met en surveillance. Ouais, ok, parfait. Et oubliez pas d'upgrade vos fighters. D'upgrade quoi? Les fights, les chasseurs. Bah non, quand on a de l'expérience, etc. Ah ouais, tiens, j'ai un. Quel as, putain. Ouais, je les ai au maximum. Ah si, ça, ils ont les fighters 2. Les Russes ont déjà les mechas. Hein. C'est normal, tu peux l'avoir en 39. Et go, on retourne en Europe. Sortir 3 chars de plus, ça fera 6 pour la Russie. Et j'aurais terminé. Bon boulot. Ah, ils mettent. Pourquoi ils mettent. Pourquoi ils ont mis 2000 avions en France en 2 secondes? Ah, je décolle le mais bon. Qu'est-ce qu'il met? Il fait n'importe quoi en fait. Il met juste des. Non, ils font des tests peut-être. Ils testent ta réactivité ou des choses comme ça, je pense. Ouais, mais en fait, je suis toujours sur la map. Ouais, ou alors il se fait chier, il fait passer 2000 avions comme ça. Oh, regarde, moi aussi je mets 2000 avions sur l'Angleterre. Hop, et j'enlève. Il a mis tout de suite 4000 avions. Tu penses que 50 usines sur les chasseurs ça suffit? 30 tours? Enfin, t'en as combien toi? Ouais.
Moi j'en ai, je vais dire ça, attends. Attends, je fais juste les designs de Navy, je fais ça dans 2 minutes, je crois que j'en ai 60, un truc comme ça. Je me suis mis à la mecha aussi du coup. Moi j'ai 60. C'est suffisant. Combien j'ai de malus? 1,6, moi, ça va pas énorme, ça va. Apparemment, tu es seul. Tu es seul à parler en tout cas. Mais tu es pas seul à regarder. Putain. Zali qui se fait mettre en PLS. Du coup, non, ils font des cakes avec le corps. Ouais, il a perdu pas mal l'orage là. Hein. Rien. 300 000 hommes, je crois, l'orage il a perdu. 400 000. En italien, t'as 1000 avions jouables, tu peux pas me les donner? Ou c'est que... c'est des bombardiers navals, etc. Ok. Je préfère les garder au cas où. Ouais, t'inquiète. C'est ouais, une blague. J'ai 5000 chars moyens. Oh. En réserve? Ah bah tu vas pouvoir split et donner beaucoup de chars à d'autres. Non mais enfin, le problème c'est que du coup faut mettre à mort. Là, j'ai que 500 motos en stock, tu vois, 5000 moyens. Ah, c'est des motos, je peux t'en envoyer, j'en ai un peu en réserve. Ah, bah, 10 balles, c'est pour ça que j'ai sorti plus de champ. Mon dieu, mais arrête pas. Bon, moi, je vais y aller vraiment. Hein. Ouais. Qui va y aller? Le Hongrois. L'aérien. Ah, merde. Bon, ouais, on va mettre. Non, on va passer le. On passe octobre. Ouais. Comme ça, on est passé, bon. Allez, Halloween. Attends, vitesse c'est 4, bon. Comme ça va plus vite. Voilà, c'est bon, au revoir. Moi j'avais envie de la finir cette game. Mais on va la finir la semaine prochaine. Ah, on finit en. Plusieurs semaines. Ouais, on fait la semaine prochaine la suite. Ouais. Alors voilà, super. Bonne soirée. Je vais pas pouvoir niquer la flotte de l'allié de Lucas. Salut! Et merci d'être venu. Pas de soucis. J'en prends du service, au revoir. C'est fini, pour ce soir. Désolé. Okay. Parce que notre air contrôleur est parti, donc on prendra. On reprendra. Le nôtre aussi. Le nôtre, il faut se demander s'il était là ou pas en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes enfants? C'est fini pour ce soir, on reprendra la semaine prochaine. Non, c'est pas fini pour ce soir. On avait un air contrôleur, mais en même temps, on n'en avait pas un. Non, mais en fait, c'est fini pour ce soir, on reprend la GPO, la partie, on la reprend la semaine prochaine. Ok. C'est parce qu'en fait, notre air contrôleur est parti se coucher, donc du coup. Est-ce que tu pourras modifier 2-3 trucs sur la partie? On a l'impression qu'il dort. C'est-à-dire. Parce qu'en fait, le japonais il a fait une erreur, c'est qu'il m'a pas donné quelques territoires. Non. Et du coup, en fait, le truc c'est que grave, je suis basé sur. Fais pas genre. Non, je suis sérieux en plus. Hein. Par contre, Genesis en fait ça a bugué sur Evac Zablanca. Ah oui, tu peux plus le faire ce focus? Bah, on pouvait pas le faire et en fait, il a été bypass quand. Italien mort. Ah, quand il t'a pris le Casablanca? D'accord, c'est bizarre. Ouais, mais sinon, ouais, je pouvais rien faire en fait, en focus. T'as pris par le. Ouais, c'est un peu idiot, effectivement. Ah là, Zach, t'essayes de jouer à la. Qui a la plus grosse, on verra. Ah oui, parce que t'as toujours Daladier du coup. Non, je peux pas te dire, je pouvais pas imaginer comment j'étais triste quand mon tank s'est fait détruire.
La grande déception de l'Afrique du Sud. Sensation à chaque fois que je fais une partie avec. Ah, c'est horrible hein, cette sensation. Je te comprends, Flocon. C'est la première fois que je vois un petit Nord. Je l'ai quand même envoyé des tanks à la main, je suis tout fier. Je vois 5 tanks tellement rapiqués. Ils vont dire, ok, le gars, bah, c'est un mauvais moment. Il a fait 5 secondes de combat, le. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce stream et je vous donne rendez-vous, peut-être pas demain, mais dimanche soir. Je suis pas sûr pour demain. En tout cas, ce sera sur Twitch, donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Twitch. Ou en général, je fais d'autres streams. Parce que sur YouTube, je ne stream que le vendredi. Allez, à ciao tout le monde!